Allez, allons-y. On est parti pour la suite du donjon d'Albuck. Alors que la dernière fois, nous cherchions une enclume. Et que nous avions enfin trouvé un PNJ qui nous vendait des armures cheatées. Des armures et des armes cheatées. Hein, Non, ils vendaient que des armures légendaires. En fait, au niveau des... On va dire des tiers. Des tiers de stuff, vous avez orange, turquoise et jaune pour légendaire. Et en fait, on était tombé sur un marchand qui vendait que du turquoise. Ce qui était ouf. Sachant aussi que nous avions enfin trouvé un moyen de bloquer la malédiction. La malédiction hein, qui nous faisait faire une boucle temporelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mourait dans le donjon, on recommençait au tout début. Au tout début du jeu, quoi. C'était assez tendax et assez chiant. Voilà. Et donc du coup, le moyen pour détruire cette malédiction, c'est de défoncer l'amulette sur une enclume magique. Et c'est ce que nous étions en train de faire. Donc nous avions pour cela deux possibilités. Comme disait Gurdil, les donjons, c'est comme les veines de métal précieux. On sait jamais sur quoi on va tomber, alors le plus simple, c'est de piocher très fort. D'accord. Ah mais par contre, du coup, le logo, il est pas du tout au même endroit. C'est un peu moche, là, comme ça. Je suis en train de penser à ça. Bon, on verra en combat. C'est pas grave. C'est un essai, hein. Le logo avec tout, mais je trouvais ça tellement stylé que... Passer un peu de temps à le faire, je me suis dit, ça va être génial. Ça se trouve pas du tout. C'est un essai. Alors. Je crois qu'on avait... On avait fait en sorte... Oui, on avait déjà tout géré là-dessus. Tunique de défense, oui. Tout ça, c'était avant. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Alors, je vais juste vérifier un truc parce que comme ça fait longtemps, je me rappelle plus où on était au niveau du son. Je crois qu'on était comme ça. Je crois qu'on était comme ça. Voilà. Allons-y. Alors, je crois que c'est Tab. Ah ouais, ah oui, d'accord. Voici l'énigme. Manuel d'utilisation gobelin. Oh là là. Batoko, Vili Sapatou. Tarnulitik, Buka Swifi, Bukaralo Bal Swifi, Abadobraz, Egla Dodi, Zwavezeda, Braco Istawi, Gluki Yafalouz, Vapozili Druk, Epitabuluk, Braco Galo Nyasti, Eto Vipidul Vidi. Oui, Vidibule, genre Yafalouz, Arvul. Alors, il y avait une énigme comme ça avec des bouquins gobelins. Ah, oh, il y avait des bouquins gobelins, mais il y avait la signification de chaque couleur. Donc, Batako. Alors, Batako, il y a Zwifi. Alors, Zwifi deux fois. Zwifi, Istawi. Nyasti. Alors le problème, c'est que je sais plus quoi correspond à quoi. Et c'est mon pif. Jaune. Jaune. Ah mais non, mais c'est comme dans l'audiocast. C'est où il fallait faire les couleurs du schnapps. C'est pas ça. Ah mais je m'en rappelle plus des couleurs. Vous avez pas un... Vous auriez pas... un carnet d'indications? C'est long, ces couloirs. Ah, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Attendez, il faut... Pour éviter moult chargements... Je vais... Voilà. Je vais regarder pour les couleurs. Pour essayer de comprendre. Alors, est-ce que je vais trouver les couleurs? Ok.
Ok, j'ai les couleurs. J'ai les couleurs. Avec les couleurs, c'est tout de suite plus simple. Donc, Zwifi, c'est le rouge. Donc, deux rouges. Batoko, c'est pas une couleur. Non. Donc, deux rouges. Istawi, c'est vert. Je l'avais noté dans un bloc-notes. J'ai bien fait. Voilà. J'avais mis de côté parce que là, je viens d'ouvrir mes dossiers. Tout était là. Bravo, Levo. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Donc, Zwifi, c'est rouge. Donc, deux rouges. Istawi, c'est vert. Yafalouz, c'est jaune. Yafalouz, c'est jaune. Niasty, c'est bleu. Et Yafalouz, c'est jaune. Donc, deux rouges. Vert. Jaune. Bleu. Et jaune. Ok, c'était ça. Merde. Combat. Combattez. Alors, on combat contre quoi exactement? Qu'est-ce qu'on combat? Alors, stopper l'arrivée des renforts, vaincre tous les ennemis. Alors, comment on stoppe l'arrivée des renforts? Fusiller. Oui. Ingénieur gobelin. Chef gobelin. Ah bah, c'est lui? Chef gobelin. Attends, c'est I, je crois. Ou c'est E? Oui, c'est I. Guerrier gobelin, éclaireur gobelin. Vainque tous les ennemis. Bon. Ça m'a l'air précis. Ah mais attends, du coup on est bloqué dans ce... là-dedans. Ah. Alors dans ce cas... le barbare, je vais le mettre là. Ça m'embête, mais je vais le mettre là. Le nain, je vais le mettre là pour que on puisse faire un long chier de nain. Le ranger, je vais le mettre devant la prêtresse quand même. Et bon, voilà, hein. Toi, tu vas te mettre là. La prêtresse, tu vas te mettre là. Et on est pas trop mal. Let's go. Bam. Alors. Tir multiple. Oh oui, magnifique. Mais c'est vrai, j'ai touché. Petit 41, là. Yato. Oula. Ah non, vigilance, ça va. Alors, défensif. Oh, ça marche pas? Ah si, j'ai peur. Serrez les rangs. Ok. Toi aussi, tu vas buffer tout le monde. Ah oui, la zone est extraordinairement grande. Baston. Voilà, toi aussi, tu vas te buffer en parade. Nickel. Lancer de nain. Je peux pas? Si. Je balance un nain. Oh, je peux le mettre au milieu des trois. Let's go. Plonk. Excellent. Ah, enfin des adversaires faciles. Enfin, je crois. Me retourne. Le voleur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir furtif. Je ne suis pas là. Alors, comment ça marche, du coup? Je vais me mettre là. Ah, c'est trop bien de pouvoir déjouer à vigilance. Ça. Je vais finir... bah, je vais taper les trois. Let's go. Hop là. Voilà, on élimine déjà deux. Le chef. Petit chef. Rivastak. Attention. Waouh. Oh, il pourra faire le tour Bilol, hein. De toute façon. Ah mais il est mort. Mais ce que je comprends pas, c'est... les renforts, ils arrivent d'où? Et qui appelle des renforts, parce que... C'est ça que j'ai pas compris. Parce que l'autre fois, on avait eu une... un combat comme ça avec des caisses de saucisses à détruire. Empêcher les renforts d'arriver.
Ah oui, d'accord. Ah. Ok. Là, je comprends mieux. Qui est-ce qu'on va pouvoir tabasser? Alors, qui joue après? Il y a le ranger, il y a la prêtresse. On pourrait tenter le 1 tir 1 mort pour rigoler. Sur lui, là. Je tente. Prends ça, méchant. 90. Dis 90. Lui, il brûle. Il va tendir son tir de tromblon. Oui. Ah, quand même, hein. Petit dégât. Tir déstabilisant. Va falloir monter sur ce bateau. Non, je vais finir lui. Nickel, 43. Je vais me mettre là. Ça, je vais donner un bonus de soutien après. Salut. Salut. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit... Zup. Oh, nickel. Comme ça, le barbare, il va pouvoir passer. Ok, je passe. Vas-y. La bombe. Qui joue après? C'est le chef? Oui. Donc, la bombe. La bombe. Okay. 66. Ah, quand même. Je renverse. Vas-y, je tente de le renverser. Il est pas renversé. Il me niveau. Okay. Bon bah l'ogre, à toi de jouer. Ah, il peut bouger que là. Comment je peux faire? Ah bah dans ce cas je vais laisser le passage au voleur. Le voleur il peut aller très très loin. Et là il va être vu. Ouais, je me mets là en fait. Voilà. La magicienne, je vais la mettre là. Et le waza, je peux pas le balancer comme je veux. Non. Le lapin. Le coup du lapin ou le J. Non, le J, je vais le garder pour. C'est quoi? C'est un ogre? Ah non, c'est un golem. Ah, je vais le garder pour le golem. Donc le coup du lapin. Youp. Des pots verts, Rabida. On en fera des tambours. Nickel. Oh, les renforts sont arrivés. Alors, tir lointain. Sur le golem. Le golem, ça va être un gros problème. Okay. Le ranger, tir déstabilisant ou ah oui, ça, vigilant. Je vais me mettre là. Faites place à une noble personne. Je vais aussi faire une vigilance, triple vigilance. Même pas mal. Wow. C'est qu'une égratignure. Ah oui, d'accord. Aïe. Oh, il prend le giga cher. Surcharge. Ok. Même pas mal. Le problème, c'est que là, je peux pas me barrer. Je peux peut-être le finir. Je tente de le finir. 91. Et je me retourne. Bon, je pourrais le réanimer au cas où. On a tous nos soins, on a tout ce qu'il faut. Oh! Ah merde, du coup ça me sort de ma furtivité. Terrible. Miam miam gobo. Miam miam gobo. Alors, je vais me mettre là. Et on va faire un sprint. Il y en aura pour tout le monde. 63. Alors, je sais pas si ça va marcher. Non, ça marche pas. Et ça non plus. Ah, je peux rien faire parce qu'il y a le voleur devant. Mais c'était pour éviter qu'il soit aperçu. Oh, oh. 55. Hop. Hop. Tu la vois, ma capuche? Ok, le voleur maintenant. Tu vas te mettre là. Et finish him. La mort frappe sans 99. Propre.
L'ogive pour le golem. Je sais plus s'il est immunisé. Merde, ça a raté. Faut soigner. Oh bah, il a touché son pote. Va falloir soigner le barbare. Ah, j'ai un nouveau tir multiple. Alors ça, c'est intéressant. On va se mettre là. Je sens une odeur de plèbe s'approcher. Let's go. Allons y. Oh, le coup critique. Magnifique. Bon bah encore un tir à l'arc, hein. On va continuer d'entamer lui. Ah, je pense que le barbare il va y passer. Ouais. Chrome. Il est passé. Bon, c'est pas grave. On va le soigner. Baston. Nickel. Je pense. J'arrive, gerbe. Alors, il est immunisé lui, je crois. Hein. Protection 8, résistance magique. Ok. Et en plus, il a du renvoi de dégâts. Je tente. Même pas mal. 71. C'est pas déconnant. Ah, je peux lui redonner une action. Ils sont trop moches. Let's go. Je te mets là. T'approches pas trop près. Oh, c'était pas. C'est nul à chier. Oh. Ah ouais, d'accord. Normalement, quand il y en a au cac, tu peux pas faire ça. Bizarre. On finit lui là. Bah super. Pas du tout dégoûté. Bon. On va se mettre là. Un petit coup de guitare. Petit coup de guitare. Ah non, il a sprinté. Merde, il a sprinté. Bon, dans ce cas, la rafale nerveuse dans le dos. Déroute. Bon, dans ce cas, il va falloir finir l'autre. Ah, il peut s'échapper que par là. Oh. Mais c'est trop bien, en fait. Trop bien. Un petit soin pour Mister Barbaros. Hop là. Oh bah oui. Oh oui, attaque d'opportunité qui tue. Bon, maintenant faut finir ce golem de mort. Allez. Tire déstabilise. Trente-sept. Et il a des buffs. Ok, il est mort. Il reste plus que le nulos. Qui a besoin de beaucoup de soins en fin de compte? Eux. Allez, petite vague de soins pour rigoler. Voilà. Et finish him. Voilà. Nickel. Ah oui, il n'y avait pas grand chose, chaussettes de contention d'aviateur gobelin. Ces chaussettes de contention permettent aux pilotes de dirigeables gobelins de lutter contre la trombe rose du gobelin aux vertes jambes. Un phénomène bien connu qui empêche leur sang de remonter jusque dans le haut du corps quand ils sont en attitude. En altitude, pardon. Ah bah dada. Alors, soigner. Tac. On va prendre des potions. Cette potion avait un aspect suspect. Alors du coup, on a pas eu grand chose d'intéressant, mais est-ce qu'il y a des coffres, quelque chose? Non, il y a rien. Bon, bon, on continue. Levier. Hop. Oh, oui. Je suis service. Ah, mais on l'a déjà, ce truc-là. L'aventure. Oh, l'aventure 3 sur 3. Excellent. Et ça, on l'a déjà eu. Nice. Alors, voyons voir. L'aventure.
On peut pas le lire ? Ah si. C'est pour chaque race un but différent. Par exemple, un but humain d'aventure pourra être l'or et la gloire. La nuance qui apporte les barbares et qui les adjoigne le pillage et la baston. En effet, pour les barbares, ramasser de l'or par terre n'a rien d'une aventure. Pour les nains, les buts d'aventure usuels sont l'or et l'or. Avec parfois la bière, mais surtout l'or. Pour les elfes, les buts d'aventure sont en général d'observer les écureuils, de trouver des poneys à coiffer ou de se promener avec ses amis. Le grand nain. Alors, ce qui est dommage, c'est que... Ah, l'aventure, c'est bon. Ah, j'ai toute l'aventure. Bon. On va peut-être retourner à la bibliothèque, alors. Qu'on va faire, tiens. Retourner à la bibliothèque de cet étage. Je ne sais plus ce qu'il faut. Et puis, si c'est pas les... Pourquoi il y a ça? Pour faire la planche? C'est la planche des pirates? Et voilà les pirates! C'est ça, hein? On ne sait pas. Aïe! T'as supposé avoir quelqu'un pour désamorcer les pièges? J'ai fait de la merde. Alors, on va soigner Zut, tout le monde. C'est le foutoir là-dedans. Eh ben, c'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Pah, la bière, c'est meilleur. Pourquoi bon les gens, ils mettent des mains dans mes poches? Merde, elles sont où les potions? Blah, ça a pas bon goût les potions. Ah, j'avais soif. Ah mais la magicienne, elle a pris un niveau? Cette potion... Pourquoi le jeu, il m'a rien dit? Fido, c'est sûr. Oh, le jeu, il m'a rien dit. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur au chapitre. Ah mais oui, elle a pris un niveau. Mais what the fuck? Bah alors le jeu? Tu me dis pas que ma magicienne prend un niveau? Mais je te déteste. Alors, boule de feu majeure. Oui. Alors, je peux encore améliorer le givre ou je peux faire une douche de grêle? Ça, c'est pas mal, ça aussi. Ça, ça a une bonne distance. Ah! C'est ça, nickel. Il y a encore cette statue. Donc, il faudra comprendre l'énigme. Ta 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 ta. Attention! La curiosité est un défaut qui peut se révéler. Baudier de combat crâne et entaille. Dans la tradition des barbares cardiaques, il s'agit d'un harnachement de bataille, confectionné par les guerriers à partir des os et des boyaux de brébifants. Qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Brassard de la garde du crépuscule. Des brassards appartenant à une ancienne confrérie de rangers des frontières, dissoute après que le mur qu'ils gardaient se soit effondré. Très bonne affaire, deux pour le prix d'une paire. Et Glargue, on l'a déjà, je crois, ça. Alors. Là, il y a plein de trucs intéressants. Alors, voyons voir pour le barbare. Ah, c'est mon sac. Eh ben, nickel.
plus de protection. Ah cool. Nickel. Chrome a le même chez lui. Pour le Ranger, on a ça. Protection 3. Ah ouais, c'est déjà beaucoup mieux en fait. Oh. Ah bah oui, large. Bah de toute façon, j'ai du orange donc. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Miam miam. Ah mais j'ai ça. Tu te fous de moi? Mais j'ai plein de trucs en fait qui sont cool. A 3, 3 d'adresse, 3 d'attaque physique. Hop. Et l'arc ouvragé. Alors attendez. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Arc prestigieux de l'air. Oui, je l'ai. Ok. Bon, bah nickel. Alors, retrouver les boutons. Ça, c'était la quête secondaire. On sait pas où sont ces boutons. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est juste pour l'ascenseur, d'accord. Oh, et de l'autre côté, il y a l'entrée. Ah, la bibliothèque. C'est vrai que j'avais dit la bibliothèque. Let's go, bibliothèque. Donc ça, c'est les toits. Intéressant. Tatatin, tatatin. Tiens, faudra que je regarde si le logo il est pas trop gros en fait. Quoique sur la VOD, c'est mieux s'il est quand même un peu plus grand. Au pillage! Quand il est trop petit en fait, ça fait une bouillie de pixels, c'est dégueulasse. Ok, donc c'est pas cette bibliothèque. Bon bah on va pouvoir redescendre. Donc on a fini avec le toit, mais on a pas trouvé d'enclume. Ah oui, mais. C'est normal, parce qu'en fait, soit fallait choisir entre Perceval, qui me disait « Ouais, j'avais entendu parler d'un truc sur les toits », soit fallait croire le forgeron avec le nain du chaos, là. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois, d'ailleurs. J'aurais dû écouter Perceval. Tellement dommage. Alors, monte charge. Ah oui, on est tout en haut, en fait. Prison et service, on va y retourner. Et du coup, j'ai du pognon. J'ai du pognon et plein d'objets à vendre. Peut-être qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir me racheter d'autres trucs intéressants, comme des items légendaires. Pour se mettre bien, quoi. J'espère. Alors... J'ai toujours l'impression qu'on tourne. Il y avait deux bibliothèques, je crois. Alors nous, on est là, donc faut que j'aille à gauche. Ou je vais tout droit. On va aller par là. Ah oui, là on pouvait pas passer, je crois. Ah si, on peut. Mais tu te fous de moi. Merde. Je peux parler à ce garde? Non. Il me coffre, quoi. Ah, faut peut-être finir l'étage avant. Peut-être qu'on me donnera un laissez-passer. Je sais pas. Là, je peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. Alors ça, je l'avais ouvert. Tout ça, j'avais ouvert. J'aime bien me promener avec mes amis. Ah, tiens. Ouais, je suis pas... Oh là ! Attention à ne pas marcher sur les plantes de l'ivèche. Ah, pardon. C'est un joli jardin que vous avez, mais les plantes ont l'air toutes sèches. Ah, m'en parlez pas. Ces maudits gobelins du 6e ont volé tout le matériel d'arrosage. Même le houblon, qui est pourtant vigoureux, bah, il pousse plus. Attends, redis-moi ça. Oh là ! Attention à ne pas marcher sur les plantes. Ah, pardon. C'est un joli jardin. Ah, m'en parlez pas. Ces maudits gobelins du 6e ont volé tout le matériel de... Le matériel d'arrosage? Les gobelins du 6e. Mais attendez, mais j'en viens, moi, du 6e, non? Oh, les jolis dessins. C'est quoi? Allez, j'en viens du 6e. Il n'y avait rien de tout ça. Parce que on a tout fouillé. Ah, c'est peut-être juste un truc comme ça. En fait, je croyais que c'était une quête secondaire, mais pas du tout. Bon, bah, avançons. Pressons. Donc ça, c'est pourquoi? Ça, c'est pour monter sur le toit, mais on s'en fiche. Donc... Alors, elle, c'est la soigneuse. Commercée. Donc, elle vend quoi? D'accord, elle vend moult potions, moult soins. C'est pas mal. En plus, ça coûte pas si cher. Hein. Je sens que ça donne... 45. Ouais.
Bon, d'abord, l'armurerie. Alors, vendre. Tac. On va vendre tout ce qui est... Bah, tout le reste, en fait. Oh la bague de nihilisme. 5000 balles. Vous vous rendez compte? On va se faire de la thune. Yeah, 900 balles. Médaillon lapin orné de gemmes. C'était un albuck. Ça, 2300 balles. Et c'est tout. Donc nous avons 20 000 balles. C'est pas mal du tout. Je vais aller voir la bibliothèque, moi. Ah. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Ces murs renferment c'est la l'aventure des civilisations. Ah non, histoire des elfes de Fang. Genre. L'elf game plus 2 en adresse. Excellent. Ça, c'est excellent. Comme ça, elle aura beaucoup plus d'esquive. On rappelle l'adresse, c'est l'esquive. Alors, il y avait une autre bibliothèque. Elle est où? Oui, oui, vas-y. Elle est dans les appartements de Gérard. Ah oui, mais derrière Gérard, il y avait un truc. On n'y a jamais été. Gérard l'impitoyable, je crois qu'il s'appelait. Il est où? Il est toujours là? Ah non. Oh! On dirait que ça j'ai tous violet, les livres bon. De la collection. L'aventure. Le Ranger gagne plus 2 en charisme. Excellent. On peut y aller? Oui! Ah, clé privée de Gérard! C'est à ça que ça servait. Alors. Ouh. Brochure de la Bardal Academy, on en a déjà eu. Chevalier Muldor. Cette ancienne chevalière date de l'ère des elfes Muldor qui furent les premiers elfes arrivés en terre de Fang. Mais ça pourrait être un morceau d'essieu d'une charrette. Difficile à dire. Sympa. Gantelet Parada, très bien conçu pour l'escrime en situation criminelle. Ces gantelets sont adaptés à tous les coups fourrés, les coups en douce et autres coups de jarnac. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ah oui, mais j'ai ça. J'ai le légendaire, donc ça sert à rien. Y'a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Chevalier Muldor. Alors, adresse, courage, point de vie. Alors, adresse, courage. Qui a besoin d'adresse? Zut, c'est le foutoir là-dedans. Touche pas à mon or, c'est mon précieux. Pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches? Ah, c'est là. Oh. Je donne rien. J'ai des noix à personne. Je suis toujours le plus... Ça sent, c'est mes bottes. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Ah mes poches. En voleur... Ouais. Ah, lui, il a pas beaucoup de... Il a pas autant d'adresse. Mais il a quoi? Adresse, esquive, intelligence. Ouais, c'est quand même mieux, ça. Mais non! Merci. C'est vraiment pour moi? Bon, sinon, tant pis. C'est pas... En fait, c'est pas si fort. Je pensais que c'était un peu plus fort. Ah, mais attendez, on n'est pas derrière la prison? On n'est pas supposé avoir quelqu'un pour désamorcer les pièges? J'oublie à chaque fois ce détail. Qui est quand même important. Eh ben, c'est pas bon. Il faut... Je vais prendre le voleur. J'ai compris le jeu. Tu veux me faire passer un message? Je vous ai compris. Cette potion avait je vais prendre un le voleur. Suspect. Il va désactiver tous les pièges de l'univers. Fouiller la robe d'une dame. C'est d'accord. Sauf si elle vous y invite. Alors, voleur, avance. Allez, va activer ça. Ok, donc ça nous fait un énorme raccourci. Voilà, bon, normalement il devrait plus y avoir deux pièges. Bon, allez, on va quand même faire gaffe. Putain. On peut plus leur parler? Apparemment. Il y avait l'autre marchand là, Bob Lennon. Alors, Bob. Tu nous as raconté l'histoire de la grande grève du syndicat. C'est un malentendu! Je ne vends que de la qualité! Dites, ça vous dit de me faire sortir? Vous n'auriez pas affaire à un ingrat. Mais comment je te fais sortir? Alors attends, il n'y avait pas une porte? Si, là. Bon, je peux le faire. Oh! Ah, mais. Hein? Ah non, j'ai rêvé. Ok, non, j'ai rien dit. J'ai rêvé. J'ai cru qu'il y en avait un qui s'était TP. Ah, voilà la statue de l'étage.
Et je peux pas le libérer de toute façon. J'aurais pas fait un ingrat, mais... Je peux pas te libérer de toute façon. Bon. Allons voir le forgeron. Puis on ira voir... Ces couloirs sombres pourraient bien sceller notre perte. Donc ça c'est pour descendre. Neuf. Il n'y avait pas d'autre endroit. Alors que je mette la carte à jour. Ah bah si. Tout droit là. Là on n'a jamais été. Ah non mais c'est juste des... D'accord. C'est juste des cellules. Donc le forgeron. Tac. Discuter. C'est quoi cette idée débile de mettre la... Ah non, c'est pour ça, d'accord. Commercer. Alors, comparer. Protection 6, courage 2. 3000 balles. Je prends. Non, pas mon or. Je prends et je l'équipe tout de suite. Ah, quand même. Les bons objets aux bonnes personnes. Commercer, vendre, armure, tac, ça, ça, et tu vas me prendre cet anneau. Voilà, on te refait un peu de thunes. Donc maintenant, l'autre PNJ, ah il y a beaucoup d'achats à faire. Hein. Mais bon, quand on aura fait tous les achats, on sera des monstres. Alors... Parlons peu, mais parlons bien. Est-ce qu'il y a déjà encore des trucs légendaires? Alors, il n'y a plus de trucs légendaires. On est d'accord. 5-2. Donc ça, je l'ai. Bandoulière de Pronfio. Qu'est-ce que c'est? Au célèbre mage. Alors, c'est pour un mage. C'est pour un mage. Qu'est-ce que t'as, toi? Soin de donner. Ok, ce sera parfait pour la magicienne. C'est maintenant qu'on donne des pièces d'or. Bracelet de mage fornelien. Oui, bah oui. Oui, oui, on va prendre ça. L'argent doit circuler. Manique de la saucière débordante. Brassard de la fricassée au girole. Ah, il a un peu d'adresse, mais est-ce que c'est vraiment utile? Impact physique. Sauvetage digestif. D'accord. Alors, cuirasse des lames mortelles. Bon, j'ai déjà mieux. Ça. Ah! Une autre robe pouvant avoir appartenu à l'archimage éponyme. Modèle amélioré. Ah, pardon. Disposant de capacités astrales renforcées. Et vous allez chercher éponyme dans le dictionnaire? Ah, elle donne quand même plus de bonus, quoi. Du courage et des soins donnés. Pas mal. Pas mal du tout. Rotule de guerre au homard thermidor. Alors ça, c'est oui. J'espère que ce sera un investissement utile. Alors, ratard le rapide. Je prends aussi. Donc, je viens de le prendre. Tunique de coureuse des bois. Alors ça, j'en ai déjà une. Je la reprendrai pas. Zéphyr de l'athée près du bord. Botte très ancienne, fabriquée par une lignée d'elfes aujourd'hui disparue. Elles sont très avantageuses sur la jambe. Plaisent au poney, tout en étant résistantes aux flèches des orques. Ouais, c'est pas fou. Y'a plus que ça, quoi. Ouais, l'ogre, c'est vraiment pour les défoncer. Hein. Ça va pas servir pour le reste. Hein. Alors, voyons voir. Voyons voir les stats. Ouais, t'as que 12, quoi. C'est pas vraiment ce qui va te faire décoller. Hop. Peregrine Took. Et... Attention à mes livres. Hein? Ah si, bracelet de mage fin dans la... C'est très adapté. Ah oui, j'avais vraiment... J'avais rien pour les remplacer, quoi, depuis le début. Oh, c'est dingue, quoi. C'est vraiment dingue. Hop, armure.
Tac. Ok, bon bah on va pouvoir descendre. Est-ce qu'on va devoir redescendre à chaque étage? Je me le demande. Parce que l'aventure... Attendez, il me reste encore l'aventure. Des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Ah non, pas du tout. Ah mais non, j'ai plus rien. Non mais c'est bon en fait. C'est bon. On va aller au sous-sol. Let's go. Allons au sous-sol. On va faire un mini détour au rez-de-chaussée, avant que j'y pense. Et on va acheter moult potions. Comme ça, ce sera fait. Alors, il est où le franc magicien? On n'a pas besoin de carte. Isonine. Yes. Alors, d'abord, les potions. Il va falloir des potions. Bonjour. Alors, il me faut des bandages améliorés. Let's go. Je prends tout. Il me faut des kits de premier secours, je vais en avoir besoin. Non, pas mon or. Des bandages, j'en ai déjà 80, c'est pas la peine. Est-ce que tu as de nouveau des potions, mon ami? Ah, soin effet majeur. Let's go, je prends tout. Quoique... Non, soyons humbles. J'espère que ce sera un investissement utile. Soyons humbles. Par contre, on va prendre les petites. Ça coûte pas cher. L'argent doit circuler. Et là, on va prendre les petites. On va prendre 30. Voilà. Je crois qu'il est trop chargé. Il va falloir qu'on allège l'inventaire. Ah merde! Il eut cru. Alors, dans ce cas, nous allons équiper ça. Équiper. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Équiper. Je donne rien à personne. Équiper. Équipé. Ah non. Équipé. J'ai des noisettes pour les écureuils. Et équipé. J'en ai peut-être pas assez en fait. Équipé. Non, j'en ai pas assez. Pas mes poches. Ah si. Y'a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. Non, pas utilisé. Merde. J'aurais gâché une. Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame. Sauf si elle vous y invite. Équipé. Déséquipé. Potions. J'ai des potions de magie, moi. Ouais, mais quoique, ils utilisent pas tant que ça, mais... Tiens, je vais te donner ça au cas où. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Ok. Impeccable. Bon. Rez-de-chaussée. Alors, il y a toujours des boutons, là, mais je comprends pas le coup des boutons. Retournez la veste. Attendez, mais... Retournez la veste. Alors attendez. Attendez, parce que ça m'intrigue, cette histoire, là. Ça m'intrigue. Ah, alors que je viens de recevoir un truc. C'est quoi? Passe. D'accord. C'est rien, en fait. Ok. Bon, il faut essayer de trouver... Oh, pardon. Compliqué ce matin. Bon après, j'ai à peu près une bonne nuit. Mais c'est bon, j'ai quand même du plan d'effet ralgant ce matin.
Alors, voyons voir. Il faut trouver des boutons. Mais en fait, ça fait plusieurs fois que je passe ici. En ayant la touche tab enfoncée, donc ça veut dire qu'il est... On peut peut-être pas le trouver avec la touche tab. Ça. On n'est pas supposé avoir quelqu'un pour désamorcer les pièges. Chaque fois, je vais me les bouffer. C'est le foutoir là-dedans. À chaque fois, je vais me les bouffer, putain. Eh ben, utilise. C'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Bleh, ça a pas bon goût, les potions. Ah, j'avais soif. Akala miam miam. Akala glou glou. Voilà. Alors. Ah, peut-être que ça va être le voleur qui doit chercher. Ah non, là. Oh. Ah oui, d'accord. Regardez, ça brille. C'est une pièce d'or. Non, juste un bouton de veste. Ah, c'est de la daube. Ça doit être un des boutons de la redingote qu'on nous a demandé de retrouver. Il faut récupérer les autres. D'accord, ça ressemble à ça. Ah oui, donc en fait, tabulation, ça ne sert à rien ici. Le mode de détection, je veux dire. Ça ne sert absolument à rien, donc ouais, faut bien ouvrir les yeux, quoi. On ouvre l'œil et le bon, quoi. On va y... Attends. Là. On fait deux. Trois. J'en ai vu un autre. Là. Vu. Et on est déjà rentré là-dedans? C'est quand même souvent qu'on revient dans les toilettes. Oui, pardon. N'était pas voulu. Quatre. Et ben voilà. Peut-être réparer la veste, mais par qui? Par la couturière? Ah bah oui. Pum pum pum. Excellent. Oh, c'est cool comme quête. On va être aveugle. Discutez. Nous avons cette veste à faire réparer et un lot de boutons. Je vois. C'est une belle redingote. La réparation risque de vous coûter cher, je vous préviens. Ce n'est pas un problème. Notre client a de quoi payer. Très bien, je me mets au travail. Elle sera prête dans 3 jours. Attendez, tout ça pour des boutons? Je plaisante. Tenez, c'est fait. J'ai utilisé le sortilège de couture d'Ilgard. Waouh, on n'arrête pas le progrès dans la science des arcanes. Ah d'accord, c'est fait. Bon bah, au revoir. Merci. Hein. Ramenez la veste à Sigismond. Bah, c'est parti. Allez, direction la taverne. Dans le carré VIP. Parce que c'est vrai que j'avais pas vraiment recherché. J'étais en mode, ouais, c'est dans le coin, mais j'avais rien compris à la quête. Mais c'est normal. On peut pas le trouver avec le mode de détection. Bon, en fait, quand vous maintenez table, c'est un peu comme dans Baldur's Gate 3. Parce que je ferai le jeu hein, quand il sera complet. Mais sinon, je vous l'aurais déjà fait, hein, le jeu. Mais... Le truc, c'est qu'il est en early access, il n'y a que l'acte 1, quoi. Donc je trouve pas ça intéressant de faire que l'acte 1, alors que... Peut-être qu'avec un peu de chance, à la fin de l'année, il y aura la fin du jeu. Normalement, ils mettent 1 an. Normalement. Donc à voir. Bon. Il est où? Il est où? Lui? C'est lui. Nous avons votre veste! Parfait, chers amis roturiers. Vous me rendez un fier service. Voyons, de la belle ouvrage. Mon habit semble comme neuf. Tenez, pour votre peine. Eh hey, mais c'est l'arnaque! La couturière a coûté plus cher que ça! Bon, qu'importe. C'est tout ce que j'ai. Mais vous aurez la satisfaction de m'avoir rendu service. Va mourir! Tu payes ou on garde tes fripes! Mais vous n'oserez pas! La noblesse tient davantage à l'attitude qu'à l'habit. Tenter de nous spolier n'est pas digne d'un gentilhomme, et mes compagnons spolier. Sont parfois violents. Mais très bien. Je n'ai plus d'argent, mais tenez, prenez ce bijou de grand prix, puisque votre vénalité est grande. Médaillon orné. Encore? Ouais.
marot, faquin, butor de pied plat ridicule. Ougladok, Kalunga. Il dit, enchanté, moi c'est l'ogre. Ok. Ah, est-ce qu'on va prendre un niveau? Non. 25 balles juste pour ça? Oh l'arnaque! Quelle arnaque! J'avoue que là, c'est une belle arnaque. Bon, allez les cœurs. Let's go. Terrible. Les caves où il y a la marchande. Je sais pas si on y allait pendant ce chapitre. Je crois pas, hein. Je crois pas. Ah, ou peut-être que si pour d'autres bouquins. Mais bon, ça coûte rien d'y retourner. Mais bon, les marchands, ça coupe par les rues, quoi. Même si bon, le meilleur marchand qu'on ait eu, les meilleurs marchands qu'on ait eu pour l'instant, c'est le forgeron et la couturière au sixième. Au cinquième. Au cinquième, pardon. Ah, il y a encore le coup de la cave à 20, là. On y va jamais, en fait. Dingue. Bon. Bonjour. Bonjour. Soir. Alors, vous avez quoi, du coup? Ah oui, il y a toujours ce truc-là. Si, là, donc, du coup, on est déjà passé. Yes, sauf que ça nous sert à rien. Au revoir. Donc, la quête. La quête du nain du chaos, là. Je sais pas où il va nous emmener, mais... Je pense que ça peut être drôle. On va voir. Ah, j'ai un truc dans l'œil, j'arrive pas à le virer. Terrible. Ah, mais attendez de le... Ah non, c'est bon, en fait. Bon, ce qui est bien avec le donjon de Nalbuck, c'est toujours détente, quoi. C'est vraiment chillax. À donf. Attends, faut qu'on aille où, là? Oui, oui, vas-y. Ah ouais, d'accord. Hein? C'est là-bas. Et si on parlait à notre ami Eric? Conseil d'éviter les maraudeurs. Ils sont parfois dangereux. Comment ils nous causent le gros tas? Les conseils de survie ne sont jamais... Oui, c'est vrai. Alors du coup, on va là. Là. On avait déjà nettoyé le coin. Ah oui. Waouh. Nous y voici. C'est la porte vers les tréfonds d'Urique. Je vais l'ouvrir et nous pourrons accéder à une partie secrète des catacombes du donjon. Pas de blague. Ou on vous transforme en goutti pour ogre mélomane. Akala miam miam naboz. Soyez sans crainte. Je n'ai qu'une parole. C'est pour ça qu'il m'arrive de la reprendre, pour pouvoir la redonner. Bon. Hein? C'est quoi ça? C'est trop bien! C'est trop bien comme accès, quoi! Tu te vautes sur la porte! Ça n'a aucun sens, j'adore. J'adore! Mais il se casse, là! Rastock, objet de quête utilisé. Ah, c'est considéré comme un objet de quête! Alors, attendez, je vais juste faire un truc. Je vais ouvrir mes rideaux. Du coup, comme il est 11h... Ah, j'ai oublié de donner ça! Ah oui! La magicienne. C'est très adapté! J'ai complètement zappé. Ah, attendez, je vais ouvrir les rideaux. On va avoir encore plus de lumière naturelle. Bon, c'est vrai que vous de votre côté, vous vous en fichez de ça, mais... Et moi, je préfère, parce que comme ça, au moins, j'ai une pièce lumineuse, quoi. C'est plus agréable. Allez, allons-y. Alors, attends, on c'est débouche sur quoi, là? C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Et des objets? Pas d'objets. Rien du tout. Oh, jolie statue, par contre. Très jolie statue. Ah.
Chapitre 7e. Les tréfonds d'Uric. Les portes secrètes des tréfonds d'Uric s'ouvrent sur une mystérieuse et interminable descente dans les profondeurs de la terre de Fang. C'est long, ces escaliers. Ça ruine les genoux. Surtout qu'il faudra tout remonter après. Oviette. Dans ces souterrains mystérieux, loin sous le donjon de Naëlbeuk, résident les terribles nains du chaos, dont le peuple se tourna voici des siècles vers de sombres puissances démoniaques. Ah, c'est bon d'être chez soi. Ah, on respire mieux là-dessous. J'ai peur. Nous ferions bien de ne pas traîner ici. Un instant, on vous a ramené dans votre trou. On peut voir l'enclume magique? Il dit qu'il a un mauvais pressentiment. Pas si vite, mes gaillards. Hé, mais d'où ils sortent ceux-là? Misère! Encore d'autres nains du chaos! J'allais le dire! Est-il présomptueux de vous demander qui vous êtes? Je suis Narzatok le Velu, roi des tréfonds d'Uric, protecteur de l'enclume et commandeur des Templiers de la très longue barbe. Tu ne mérites plus d'être roi, usurpateur! Silence, sale renégat! Bien, je vois que vous nous avez amené le traître. Vous allez nous le livrer contre une récompense. Jamais! Mes compagnons vont vous éviscérer, toi et tes sbires galeux. Oula, on va se calmer là. Soyons rusés, ils sont nombreux et armés jusqu'aux barbes. Ce sont des nains du chaos, ils sont méchants et menteurs. Ben comme tous les nains, non? Fias. Fils de tabouret. Tuons-les. Alors, faut-il que nous séparions le prisonnier de vos cadavres encore chauds? Non, non, on va vous livrer le prisonnier. Quoi? Sale traître! C'est de la ruse, on viendra vous chercher après. Bon, et comme récompense? Comme récompense, nous vous épargnions pour avoir pénétré sans invitation dans la sublime mine des tréfonds d'Uric. C'est bien aussi, oui. Garde, emmenez ce scélérat en prison. J'espère que votre plan fonctionnera. Maudit soyez-vous, non! Laissez-moi, non! Attendez, nous cherchons une enclume. Magique, une enclume magique. Nous vénérons la grosse enclume. L'incarnation de notre dieu primordial de la forge du chaos. Oui, ça doit être quelque chose comme ça qu'il nous faut. On peut la voir? Seuls les nains du chaos sont autorisés à se tenir en sa présence. Nous sommes prêts à faire beaucoup de choses en échange de quelques instants devant une telle divinité. Intéressant. J'aime les mercenaires sans scrupules. Passez à la salle du trône et nous discuterons. D'ici là, je vais envoyer ce traître moisir dans un cachot en attendant sa sentence. Mais là, du coup, je me demande... Est-ce que... Est-ce que... Il y aurait eu deux chapitres 7 différents? Dans le sens... comment dire? Parce qu'il y avait deux chemins possibles, c'était soit le nain du chaos, soit le toit. Mais sur le toit, il n'y avait rien. Donc je pense que, de toute façon, ça nous aurait amené ici. Bon, on va quand même faire une petite sauvegarde. Donc on est au chapitre 7. Ça n'en finit plus. C'est long, hein. Mais c'est bien. C'est trop bien, en vrai. Ce n'était pas très impressionnant comme négociation. Trouillard! Ils ont la seule enclume magique qui puisse nous servir. Je t'allais tout de même pas les menacer, si? C'est pas faux. Et on va aller chercher Brastok. On verra. Ah, on verra. Pauvre Brastok. Pauvre Bendy. Mais attends, mais comment ça se passe là? Ouah, c'est stylé. C'est vrai que du coup, ça n'a rien à voir avec le donjon. Donc en fait, on est sorti du donjon, techniquement. Ouah, mais ça n'a aucun sens. Attends, quoi? Hein? C'était écrit quoi? Parti à la guerre, revenez plus tard. Ah oui, d'accord. C'est pas évident, c'était le chef d'une bande de baltringues. Je croyais que c'était écrit « Partez en guerre contre les nains ». Je le sentais mal. Alors attends, faut qu'on aille où? Les cartes sur du granit. Okay. C'est plus lourd, mais bon, ça dure plus longtemps. À gauche. Essayons de trouver du loot. Pendant qu'on est là. Ah. Y'a quoi par ici? Est-ce qu'il y a des vendeurs, tiens? Non, c'est pas s'il y a des vendeurs. Ouvrir. Ah. Ah non, c'est pas ouvert. C'est pas ouvert. Il y a des cristaux. C'est quoi ça? C'est de la fumée? Ah, d'accord. Ouais. C'est stylé. Ouvrir. Non plus.
pas grand chose d'accessible. Hein. Waouh. Alors après c'était parce qu'on est au début du chapitre. Tadam. Ah, je vois un levier. Eric, je ne pensais pas m'y retrouver un jour. Je vois des leviers, je vois des choses. Ok. Des wagonnets. Des wagonnets. Rien du tout en fait. Alors il y a des caisses donc. Ça va peut-être dire qu'il y aura du combat ici. Ah, il y a rien du tout dans ces salles, c'est dingue. Bon bah allons à la salle du trône, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Waouh. Oh un marchand. Oh là on discute. Ah là on discute. Oh des gros tonneaux. J'aime bien me promener avec mes amis. Moi je suis pas ton ami, et j'aime pas me promener. Barman, discutez. Les stocks sont bas mais les prix sont hauts. Allez, allez. Oh putain! Wouah! Wouah! Attends, tu vends des armes? Des armures? Non, d'accord, tu vends que ça. Ok. Cuvée de mine. Intéressant. Wouah, tout ce qu'il vend. Non, mais. Bague de la reine des hippies. Bon, ça, bon, on l'aura compris, hein. C'est sûrement pour l'elfe, bien que tout le monde puisse la porter. Anneau du berserker. Moins 3 en protection. Ah ouais. Ah oui, tu perds de la protection, mais tu gagnes en force et en impact. Non mais... Même sans chiffon rouge, permet de charger comme un bovité en colère. Chaud devant. Anneau d'égoïsme. C'est n'importe quoi. Anneau populaire chez les nains à cause d'économies sur les soins. Interdit par de nombreux clergés. Il est néanmoins utile pour la survie des clercs maltraités par leur croix. Ah, pas mal. Comparé. Alors, voyons voir. L'amulette. En vrai, j'ai jamais donné ça aux barbares. Ah ouais, mais il y a tout là-dessus. Hein. Résistance physique... Force. Ah, ou sinon, je la donne aux nains. Ah, je peux la donner aux nains. Je vais la donner aux nains. J'espère que ce sera un investissement utile. Anneau du berserker. Mais il a pas d'anneau, le nain. Comment ça, il a pas d'anneau? Ah. Ah oui. Anneau de la reine des hippies... Ah bah en fait y'a que ça que je veux acheter. Le reste... Ah quoique non, force. Oui. C'est maintenant qu'on donne des pièces d'or. Ok. Alors, dans ce cas... la bague de la reine des hippies. J'ai des noisettes pour les écureuils. Voilà. Amulette de la charge du taureau. Je voulais donner ça au nain. Je donne rien à personne. Ouais, ce sera quand même mieux. Pas mal. Je peux en avoir un autre. Oh, merci. Donc vendre. Bon, ça coûte pas cher, hein. Par rapport à tout ce que j'ai acheté, mais... Honnêtement, ça peut être utile. Allons-y. Ça s'ouvre pas, je crois. Hein. Ah si. Oh. C'est quoi cette pièce? Oh. Fouillé. Boîte de tulcomine. On a récemment découvert que les nains passant trop de temps dans les galeries de mines pouvaient développer le syndrome de constipation des profondeurs. C'est là qu'est arrivé dulcomine, le laxatif des mines. Avec dulcomine, tout passe par les mines. Grève et mouvements sociaux chez les nains. Ce livre fait partie d'une collection sur le concept de grève chez les nains.
Il en émane une étrange odeur, comme s'il s'agissait d'un parfum à la bière. Énorme. Ah, franchement, ils ont été chercher loin leur nom. Hein. Mais c'est génial. Franchement, c'est tellement génial. C'est vraiment un jeu. Mais même si vous n'êtes pas fan de... Même si vous connaissez pas Nalbuck, je pense que vous pouvez vraiment vous éclater. Ainsi, la fameuse grève du syndicat des charcutiers en 503 du premier âge fut initiée par le cuisinier Frodil, qui déclara un bon jour que son travail était trop pénible en été à cause de la chaleur des marmites et des fours. Ce désordre fut suivi de peu par la grève du conglomérat des boulangers amicaux et celle de l'association véhiculée des négociants en porc, touchée par la baisse d'activité liée au débrayage des précédents. D'accord, marrant tout ça. C'est du grand n'importe quoi, mais j'adore. C'est tellement recherché. Je les imagine bien vraiment se faire un brainstorming quoi dans une petite salle. Et pour trouver des noms et tout pour ce genre de choses. C'est trop bien. Bon, on est pas loin de la salle du trône. Hein. Ah, on est dans la salle du trône. Ah! Y'a quoi là-dedans? Rien du tout. Ah si! Oh oui! Moi, je suis Nyctalope. J'avais bien que t'étais une salle. Oh putain! Bourdon sublime de saint guérisseur! Soigne les entorses, les vergetures et les brûlures indiennes. Et tout un tas d'autres trucs. Oh là 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 là! Boulier en trithyle. Ce boulier fait entièrement de trithyle brille dans la nuit. Il est utilisé par les mineurs de jambes de fer pour compter les pièces d'or, même dans les endroits les plus sombres. Et ça. Oh, on a obtenu un super loot là. Je crois qu'il est trop chargé. Il va falloir qu'on allège l'inventaire. Ah merde. On va s'en occuper après. Il faut bien comprendre ici que les nains sont des précurseurs en matière de conflits sociaux. Ils ont été à la pointe de toutes les découvertes majeures dans ces domaines. Ayant compris très tôt qu'il était nécessaire de s'organiser pour pouvoir efficacement râler contre leurs prochains. Depuis la nuit des temps, ils se plaignent ici de tout et de rien, agissant la moitié du temps par besoin de s'affirmer et l'autre moitié par appât du gain. D'accord. Des connards. Alors c'est pour qui? Alors on sait pas, parce que techniquement c'est des soins. Dégâts critiques. Attention à mes livres. Elle a que pas de dégâts critiques, elle. Hein. Ah si, précision. Dégâts critiques. Soin donné. Elle a du soin. Non, elle a pas de soin. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame. Sauf si elle vous y invite. Ok. Donc nous avons un bâton légendaire. Ah, trop lourd. Qu'est-ce qu'on pourrait virer? Ouais, virer en vrai. On n'utilisera jamais les bombes. Le vin. Ah, mais faut un truc qui pèse lourd quand même. Les saucisses, non, faut les garder, les saucisses. Bombe lacrymogène, bombe araignée, potion mana. Ah, il y a 5 kilos quand même. Il hein. Y a 5 kilos. Voilà, tous les trucs inutiles, mais moi ça me fait rire. Bon, on va virer du vin. Voilà, les coteaux. Non, mais on va en détruire plus. On va en détruire 4. Voilà. Nickel. C'est bon ? C'est bon. Allez, on y retourne. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre salle à gauche et à droite. Ah, mais je peux pas. Oi oi oi. Votre malveillante splendeur, il nous faut des renforts. Nous ne tiendrons pas longtemps. Les portes sont encore solides et les renforts sont en route. Le contrat est signé. Les golems seront là bientôt. Tout de même, lumineux éventreur. Ah mais c'est Bob. Ces golems sont fabriqués par des gobelins.
Le mercenaire qui les emploie n'est pas un gobelin. Donne-moi plutôt des nouvelles de notre armée, au lieu de geindre comme une pucelle. Ils sont toujours au loin dans les tunnels de l'Ouest, radios et trippers. Ils sont sans doute... Tiens, qui sont ces gens? Ah, très bien. Approchez. Ils font partie des renforts, justement. Merci. Bonjour, votre... Majesté. On dit majesté à un roi. C'est sûr qu'on ne va pas dire votre grandeur. Quoi? Mais bouclez-la, les baltringues! Rien, rien. Nous sommes ravis d'être là. Enfin, la plupart d'entre nous. Par les poils de la barbe du père des nains, vous tombez à pic. Nous allons parler de ce que vous pouvez faire pour nous. Ah, parfait, d'accord. Faut pas dire oui à un nain du chaos sans avoir demandé précisément ce qu'il veut. Oui, bon, on a dit qu'on cherchait à les amadouer. Et sinon, vous nous engagez pour quoi? Peut-être qu'il veut des conseils en décoration pour sa maison. Votre Majesté, c'est horrible! Les portes! Les portes! Eh bien quoi, les portes? Qu'est-ce qu'elles ont, les portes? Elles sont ouvertes! C'est inexplicable! Les Trogilorques, ils vont nous massacrer! Plus rien ne les arrêtera! Ils ont étripé nos arbalétriers! Vous, je vous engage, peu importe vos tarifs, vous devez aller immédiatement arrêter ces monstres! Baston! Des Trogilorques, vous dites? Ouais, des orques albinos des profondeurs. Ils vivent dans des tunnels sans lumière et mangent les moisissures qui poussent sur les cadavres de leurs ennemis. Berk, c'est encore pire que les orques! Ne traînez pas! Filez aux portes à l'ouest! Elles doivent être refermées au plus vite! Au sujet de l'enclume! Plus tard, je... Je dois aller rassembler ma garde prétorienne. Mais bien sûr! Il va jamais nous la donner, l'enclume. Jamais il nous la donnera. Et c'est quasiment sûr. Bon, voyons voir le loot. Alors, y a de l'or. Ah, y a que du légendaire. Alors, ancien couvre-chef d'un exécuteur en chef des rois de Vontor. Imprégné du sang de milliers de victimes, il fait bénéficier à son porteur de nombreux bonus liés à l'assassinat. Politique ou non. Espoir de l'égarer. Ses bottes ont la capacité de retrouver leur chemin toutes seules. Confectionnées avec amour et huile de castor, elles sont robustes et confortables comme des pantoufles. Pour les rangers, les vrais. Ah, il y a des potions de soins, il y a plein de trucs. Oh. Alors, le voleur. Pas mes poches. De la belle qualité. Qui pourrait se revendre à un bon prix. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Oh là là, tous les bonus, quoi. Là, on va se faire plaisir. Et je suis encore trop lourd. De 8 kilos. Quoi? De 8 kilos? Faut vraiment que je gère des trucs. Bon, l'agneau, ça dégage. Allez. Voilà. Hein. Hop, ça dégage. Alors. Bah, c'est vrai qu'on peut vendre le vin, ok. Attends. Ah, mais attends, mais on est carrément dans une autre région, là. Il y a des escaliers et tout. Les enfants terribles. Pourquoi il y a une énorme sauvegarde? Pourquoi il y a une énorme sauvegarde? Levier. Hein? Ah, faut que je trouve ce levier? Ah, c'est pas ouvert. Attends, faut que je retrouve ce levier? Bon, bah, on va retrouver ce levier. Alors, il y avait un feu. On aurait dit une cuisine. Je crois que c'est pas très loin. C'est là, non? Hein? Voilà. C'est pas du tout là. Très bien. Non, c'est pas là. La vie en forêt, c'est mieux. Il y a des arbres. Bravo. Encore une négociation bien menée. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. J'ai pas mis tous mes points en diplomatie avec les races souterraines. Que d'horribles blessures Euclid va me voir soigner. Allons, amigueux, armez-vous de courage, armez-vous de vertu, armez-vous tout court, d'ailleurs. Il faut poutrer les Trogilorques. Allez! D'abord, levier. Ok, ça, je sais où c'est au début. Ça, c'est au début. Hop, oh, cette mini-énigme. Oui, c'est pas... Pom pom. Attendez, je me souviens. C'était pas là le dortoir? Oui, c'est là. Oui. Là. Vu. Activé.
Waouh, c'est où celui-là? Ah, c'est vers le début, mais on va pas tomber sur les Trogliorcs avant. Attendez, faut être dans la mine. Quelque part dans la mine. C'est pas là? Plus loin alors. Par ici. Au pillage! Il est où ce levier? Ah, mais il est pas là du tout en fait. Ok. Heureusement que c'est pas timé. Partir ailleurs, revenez plus tard. Là, il y a toujours cette porte. Hein. Toujours pas ouvert. Ah, mais il est peut-être dans le coin le levier. Des rails. Ouvrir. Oh. Il est où ce foutu levier? Bah, il est où? Ouais, je l'ai loupé. C'est bien d'avoir une veste réversible en cas de changement politique. D'accord. À la politique. D'ailleurs, c'est rigolo parce que... Non, il y a de plus en plus de... Bah, de médias qui s'intéressent... streaming. C'est marrant. Bah, dans un sens, c'est bien parce que ça a popularisé la plateforme. Ouais. Ça va être cool. Même si, bon, ça va peut-être devenir toxique au bout d'un moment. Oh bah putain, il faut tout chier, les politiciens. Peut-être. On verra bien. Mais attendez, mais c'est où? J'ai vraiment loupé le levier ou... possible. Alors là, je suis en train de retourner dans la salle du trône. La dernière fois, c'était dans le dortoir. Pourrait bien sceller notre perte. La dernière fois, c'était dans le dortoir, donc techniquement, c'est dans le coin. Dans le coin. Là, je retourne à l'entrée. À moins que ce soit l'entrée. Aveugleman. Non. Mais non, il y avait des joyaux à côté. Il y avait des wagons, il y avait des joyaux, il y avait des rails. Voilà. Concentrons-nous sur les rails. Alors, doucement. Donc là, non. Là, y'a rien. Ici. Ici, je vois rien. Là non plus, je vois rien. Là non plus, y'a rien. Et le levier, je peux le détecter. Avec tabulation. Donc, c'est pas ici. Ah, par contre, il y a un autre. Quelle bonne odeur de champignons des mines! Donc, il faut avancer. Ah, mais d'accord, c'est déjà ouvert. J'ai ouvert les portes. Il est trop tard. Vous entendez? Il dit qu'il est trop tard. Le plus simple est de rebrousser chemin. Vite! Il n'est jamais trop tard contre les peaux vertes. Je croyais qu'ils étaient albinos. C'est pas vert, c'est blanc. Les orques, c'est comme les poireaux. Dehors, c'est vert, sous la terre, c'est blanc. La miam miam, orque, regarde la soupe. Il dit que c'est bon, la soupe aux poireaux avec des orques dedans. C'est pas le moment de parler potage. À l'assaut. Ouais. Ouais. D'accord, c'est ça. Ah, par contre, c'est direct. Il y en a combien? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13. Objectif, vaincre tous les ennemis. Activez le levier au bout du pont pour fermer la grille et stopper l'arrivée de renfort. Le levier au bout du pont. D'accord, il est là. Les troglodytes sont sensibles à la lumière. Allumer les torches du pont les affaiblira. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Bah en fait ça va être un travail pour le voleur. Hein. Ah ou sinon, il faudrait que j'aurais pu balancer le nain. Mais...
Ok, bon. Trêve de plaisanterie. On va mettre la prêtresse là. Ou là, plutôt. Locke, tu vas te mettre devant. Mais non, pas toi. Dis-le. Locke, tu vas te mettre là. Le barbare. Tu vas te mettre là pour l'instant. Le ranger, tu vas te mettre là. Le nain, tu vas te mettre là. Qui joue en premier entre le nain et machin? Ok, donc dans ce cas, le barbare, je vais te mettre là. Le nain, je vais te mettre là. Le ranger, je vais te mettre là. Le voleur, je vais te mettre ici. La magicienne, je vais te mettre là. Dans le voleur, je vais le mettre derrière le nain. Et l'elfe, je vais te mettre là. Allons-y. Géronimo. Humain, mourir. Humain, mourir. Allez, fomp, 117%. 78%. On les dégomme tellement. C'est à qui de jouer en premier? C'est qui, celui-là? C'est celui-là. Dans ce cas, je vais me mettre là. Ah ouais, mais ça va être chaud quand même, même pour le voleur, ça va être chaud. Toi, t'es trop Gliork. Ok. Défensif. Serrez les rangs. Et on va se mettre là. Ah, quoique. Les premiers, ils jouent quand? Ok. Hommes cassés. Ça va le faire. À moi. Ah, ils vont tous se buffer en fait. À moi. Bon, maintenant qu'on a du loot légendaire, je pense qu'on va être un peu plus peinard. Un peu plus, j'ai bien dit. Alors, le buff pour tout le monde, nickel. Hein? Le barbare. Yes, il va toucher tout le monde. Baston ! Le nain. Bonus à la parade. Et tu vas t'avancer d'une seule case. Allez, normalement tu le pars. Non, 24, c'est pas grave. Perce armure. Ok. Lancer de nain. Let's go. Les pauvres, ah, ils ont l'air tout malades. Ok, un de moins. Oh, et 20 de dégâts, bah, 20 de heal. Excellent. Avance. Alors, c'est pour combien de tours la furtivité? Il redevient visible s'il attaque, s'il passe devant un ennemi ou s'il subit des dégâts. Ah, mais d'accord. Une bonne bataille en sous-sol. Ah mais en fait, ça dure autant de temps qu'on veut. Hein? Je ne suis pas là. Oh. C'est trop bien. Je vais me mettre là. Faut que lui, il aille au pont. La magicienne. Alors attends, eux, ils jouent quand? Ok, ils vont jouer juste après. Alors dans ce cas... Non, je peux pas me mettre... Ah, je peux me mettre là par contre, ou pas. Ah, je suis obligé d'être là pour les toucher? Ah, ça m'embête un peu, ça, par contre. J'aime pas les orques. C'est encore plus laid que les nains. Attends, combien de cases? Ok, il manque 2 cases. Ouais, c'est bon. On va se mettre là. On va se mettre là. Bonjour, bonjour! Ah, mais attends, ça se propage, on est d'accord? J'avais pas pris ça? Ah, je peux pas regarder, merde. Ah, j'étais sûr. Bon, bah... Ouais, tous ces enflammés. Ah bah ils sont tous les trois enflammés, bah nickel. Ok, défensif. Lui va sûrement aller sur le nain ou sur l'ogre. Même pas. Défensif aussi. Ça va être chaud. 51. Je mens un coup, moi. Attends, qui joue?
À mort les peaux vertes. Ouais, essayons de faire des ricochets. Bah c'est pas fou hein. Je vais m'avancer avec le ranger. Et vigilance. C'est comme les orques mais en plus moisi. Ah je pourrais faire une vigilance en vrai. Pas couillon. Let's go. J'en ai qu'une mais on pourrait le faire. Je vais me mettre ici avec la prêtresse. Et on va pilonner hein. On va se faire lui. 125% de chance. En vrai je pense qu'on arrive à un stade où on peut vraiment tout défoncer. Oui, si. Hop. J'ai fait n'importe quoi, mais ça a marché. Et non. Je peux aller là-dessus. Faudrait que je me décale d'une case. Ouais, faudrait que je me décale d'une case. Et je lui fonce dessus. Salut, je suis le ranger de Loubet. Il y en aura pour tout le monde. 71. Nickel. Je vais aller jusqu'où? Jusque-là? Allez, jusque-là. Tu vas tout droit. Voilà, nickel. Ah bon, en plus, c'est à lui d'attaquer. Parfait, ça. Ah d'accord, c'est comme ça. Oh oui, 62, magnifique. Ils sont dans la sauce. Hein. Ok. Bon. Alors, comment... Oh merde, j'ai appuyé sur Windows. Excusez-moi. Voyons voir. Ah, je peux pas passer. Alors ça m'embête. Donc dans ce cas, je vais retarder mon tour. Le lapin. Coup du lapin. Eto, rabidon. 67, pas mal. Oh, il est effrayé en plus. Ah oui, d'accord. Limite, il sort de la zone, en fait. Très bien. Je finis mon tour. Alors ce qui est bien, c'est que ça a libéré le passage pour le voleur. 25. Putain, j'avoue qu'il a 400, plus de 400 HP. C'est énorme. Mais il retourne dans les flammes du chaos. Quand je vais raconter ça chez moi. Mais quel abruti. Ah, c'est mieux des orques, ça. Oh là. Aïe. 35. Faire ça. Ok, va falloir avancer sur les lumières, là. Prochain tour, l'elfe, elle va finir celui qui est derrière. Wouah ! Attends, mais ça m'a repoussé jusqu'où ? Hein ? Wouah, mais c'est pété, ça ! Même moi, je peux pas faire ça. Après, c'est un coup critique, donc... Ou peut-être que c'est un spell. Ouais, ça va être sûrement un spell. Sprint et sprint. Alors pour l'instant on n'a pas de renfort hein. Ah d'accord, il joue trois fois. Ça y est, le cheat. Cheat évident. Ok, bon, à nous. À nous. Je crois que c'est... Non, c'est pas ça, c'est contrôle. Contrôle. Là je suis visible. Je brûle! À moi ma compagnie! Passe par là. Et je me mets là. Voilà, comme ça je reste inaperçu. Personne ne me voit.
Juste un pchit. Alors. Ah ouais, mais je suis obligé de reculer. Ah, tir lointain. Let's go. Allez, touche par contre. Abattu dans le dos. Donc, je peux m'avancer un peu. Je vais me mettre là. Ah, mais elle reste allumée ? Ah, mais fallait le savoir, ça. Fallait le savoir. Moi, je savais pas. On va se mettre là. Et petite vigilance des familles. Un bon orc est un orc mort. Alors, qui est mal en point ? Qui est mal en point ? L'ogre. L'ogre est mal en point, donc on va avancer. On va soigner l'ogre. Ouais, bien joué. Hop là, 45. 45 dans la mouille. D'accord. On a rien pris, on a de la chance. Alors, qu'est-ce que tu vas tenter de faire ? Je crame ! Même pas mal. Bon, au barbare. Alors, barbare, tu me défonces ça, s'il te plaît. Oh, tiens ! 74. Nickel. Tu vas te mettre devant lui. Le nain, le nain, le nain. Tu vas me buter lui. En plus, t'as le soutien. Et plaf ! Nickel. Mon merde. Tu vas aller vers celui-là. Et on va les bloquer. Voilà. Ah d'accord. Il est renversé, très bien. Ami, viens vers moi. Ah. Tu es pressé de mourir. 68. Pas du tout. Ah, j'ai le barbare qui a renversé, quoi. On dirait qu'il sort d'une fosse à purin. Alors, comment faire ? Alors, je peux passer par là. En fait, faut que j'arrive à me faufiler, mais... Ça va être compliqué. Ah non ! Oh ! Attendez. Tac. Là, ça va pas, donc tac. Tac. Jusqu'à là. Ah oui ! Et... Ah ! Regardez. Hop là, zigzag. Voilà, ça c'est beau ça. Alors la magicienne, tu vas t'avancer. Et qu'est-ce que tu vas nous faire ? Le barbare, il a peut-être besoin d'un petit soin, mais je sais pas si ça guérit son truc. Non, ça le guérit pas. Pas totalement. Allez, vas-y. Vous connaissez la blague de l'orque bourré ? Moi, il sera full HP. Ouais, je vais me lever vite fait. Mais mon barbare quoi. Mon barbare. Oh non. Oh non. 47. Bon bah il est plus furtif. Et je peux faire une attaque dans le dos gratuite. Aïe aïe aïe, ils vont tous venir vers moi. Ah non. Aïe aïe aïe, on veut encore. Ah y'en a que deux. Ça va. Y'en a que deux. Bon. Qui on tabasse? Un tir à un mort. Les orques, c'est dangereux. Il faut attendez une bonne tactique. Allez, 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 allez. Esquive. Ça, c'est cool. Encore une bombe. Que des bombes. Bon. Le ranger. Tu vas te mettre là. Tu vas le tabasser. Tac. 48. Très très bon.
Voilà, y a pas besoin de soins. Hein. Tabasser lui, let's go. Échec critique. C'est pas une super bonne idée quand même. Oh bah ça l'a soigné. Oh là là, terrible. Terrible. On refait une action. Et fiou. Attendez. Faut lui retirer la même chose. Alors lui il est renversé. Le nain. Est-ce que je peux le finir avec une attaque? Oui. Ah, et puisque t'es là, tu vas aller ici. Hop là! Ok, il y en a deux autres. Bon, si c'est que ça, ça va aller vite en fait. Ça va aller vite. Ah d'accord, tu tentes quand même de te barrer. Wouah, c'est un malade. Ah mais je peux... Quoi ? Ah parce que je suis affaibli, je peux pas le rejoindre. Dans ce cas, je vais aller là. Et... Voilà. Excellent. Ah le pauvre barbare quoi. Heureusement qu'il a beaucoup d'HP. Hein. Alors par contre le voleur, je sais pas comment tu vas faire. Je sais pas comment tu vas faire, mais... Ah oui, il peut aller jusque là-bas en fait. Ah non, mais ça c'est énorme. Ça c'est juste énorme. Combien il peut faire... Attendez, combien il peut faire de cases? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cases il peut faire. Je vais tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose, mais ça va être chaud. Oui! Oh oui! Oh oui! Oh, il est extrêmement bien placé. Alors. On va se mettre là. Piu-piu. Piu-piu sur lui. Peut-être pour le one-shot. Ah, dommage. Ah, est-ce qu'ils vont tous se ruer sur le voleur? Non, ils viennent tous vers moi. Ok. Aïe, les nains n'ont jamais mal. Ah mais ça se con... D'accord, ça se cumule les persarmiens. C'est bon à savoir. Ok, ils viennent tous sur le... Ça se fait, ça se fait. 22. Ça descend. Oh là là. Commence à prendre un peu cher là, l'ogre. Ok. Alors je vais peut-être pouvoir les désactiver le levier. Qui est-ce que j'attaque? Lui. Je peux le finir. Et on va s'avancer genre ici. Voilà. Alors le ranger, comment tu vas gérer? 300 HP, 188. Ah ouais, on a un boss là devant nous. Dégâts sont augmentés si la cible possède tous ses points de vie. Let's go. Résistance physique. Un petit soin pour l'ogre. Attends, je peux pas faire une vague de guérison genre là? Ah non. Okay. On va se mettre là. Derrière la caisse. Et un petit soin. Dalzabeto Navalu. Le barbare, il va se relever. Les orques, par Chrome, on va leur latter la gueule. Et je vais faire un petit coup. Ouais, ici. On va se mettre là. Et on va se faire petit coup en arc de cerf. Nickel. Alors, lui, je vais l'insulter. Triste fils d'un bouc incestueux. Voilà. Il va se retourner, évidemment. Fuite. Oui.
Là, je suis en train d'essayer de compter sur l'adresse de mon voleur. Oh là là, non mais en fait, je l'ai envoyé à la mort. Hop, tu la vois ma capuche? Il y arrive, hein? Il y arrive! Non! 7, ok ça va. Résistance physique. Oh là là! L'encerclement. Allez, la double baffe! Ah, petite parade quand même. Allez, allez! Hé, même pas en rêve! C'est chaud, hein. C'est très très chaud. Il va attaquer le voleur, évidemment. Allez, esquive. Wouah, wouah. 16, ok. Ah mais en fait, il m'arrange. Ça y est, il n'y a plus de renfort. Oh, il m'a tellement sauvé la vie, cet orc. Le feu. Attends, mais... Mais qu'est-ce... Ah non, j'ai pris le soin. Pour ça, Pyro-pias. Je me suis rappelé. Dans ta face. Ok, on va continuer d'avancer, je pense. On va se mettre là. Non. Je vais juste m'avancer d'une case. Wouah. Bon, en tout cas, il n'y aura plus d'ennemis. C'était un pari risqué, mais... La chance sourit aux audacieux. Vous croyez quoi, qu'un nain s'est pas bougé ?37, ok. Bon, de toute façon, là, les trois là, on va les défoncer. Il a failli taper son pote, hein. En vrai, s'il l'avait tué, ça aurait été exceptionnel. Oh merde. Comment va-t-on gérer ça? Alors déjà, je vais finir lui. Voilà, comme ça, ça en fera un de moins. Je termine mon tour. Alors ensuite, comment on va gérer cette histoire? Toi, tu vas prendre très cher. Le premier coup est pour moi. 100. Là, c'est pas très utile. Soignez tous les états et altérations. Let's go. Gala, ça doit marcher. Bravo. Oui, ça le marche. Retour du paradis des nains. J'étais pas sûr. Ça va cogner. Le barbare. Ah, tu peux faire un jump. Oh là, tu peux tout casser. Oh, oh, oh oui. Oh, oh. Let's go. Le nain, il va sûrement tuer quelqu'un. Vas-y. Je suis un ouf. Oh, ça pique. Je suis un ouf. Le fou. On l'appelle le fou. Oh, il a tout paré, je le déteste. Bien. Bon bah, désolé, hein, le voleur. Hein. Oh là là, mais... Il est monstrueux. Dans le dos. Oh 24. Ouais, il faudrait juste qu'il arrive à se barrer. Hein. Ouais, mais c'est pas... Il arrivera pas à se barrer, en fait. C'est ça le problème. Ah, il fait chaud ici. Oh, t'abuses. Oh. 11. Ah, c'est compliqué. Ah. Ah, d'accord. Okay.
pas mal. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour me casser de là? Faut encore que j'attende quelques tours. Je vais essayer de me barrer le plus loin. Je tente une... Tente quelque chose. 5... 9... 21... Mais j'arrive à me barrer. J'arrive à me barrer. Oh, attends! Non, je pourrais pas l'avoir. J'allais dire, sinon je peux peut-être le soigner, mais il est trop loin. Il est trop loin. Je vais givrer lui. Yes. Et je vais... Non, je vais pas bouger. Tu vas mettre un coup de pied ? Hein ? C'est compliqué. Mais au moins, il n'y a pas de renfort. Ok, lui, il va bientôt mourir. Tapu ! Tapu ! Oh ! 11. Attaque de flanc. Oh là 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 ! Magnifique. Et lui, il est congelé. Et il perd encore de la vie. Nickel. Alors... Alors, comment je vais pouvoir aider? Est-ce que lui, au moins, je peux le buter? Non. Pas le tout. Ah, si! Si, je peux le tuer. Comme ça. En fait, la mission, c'est récupérer le voleur. C'est ça, la mission, maintenant. Bon, toi, tu vas te prendre ça dans le dos. Allez, hop. Là, il faut que j'avance et il faut que j'arrive à toucher le voleur. Et je crois que je suis trop loin encore. Il est trop loin. Il est beaucoup trop loin. Il est même pas dans ma zone de guérison. Ouais, ça va pas du tout. Bon bah... On va mettre un piou-piou, hein. Hop là, là-dessus. Parade. Aïe! Toi, je vais t'effrayer, tiens. Ouh, je tabasse lui. Allez, je tabasse lui. Prends un risque. 80. Ok, avec ça, il va pouvoir être tranquille. Je vais me mettre là. Je vais me mettre dans son dos. Non, comme ça. Ouais. Ok, comme ça, je suis plus enflammé. Je vais finir lui. Prends ça! Voilà. C'était le chef, en plus. Parfait. Lui, il est pas enflammé. Ah, s'il est encore enflammé, bah il va mourir. Ils vont me chercher. Ah, c'est chaud. Ah, ils le veulent, mon voleur. Hein. Bon, de toute façon, même s'il meurt, je pourrais le soigner. Non, mais c'est bien. Il accapare toute l'attention. Parfait. Voilà. Par contre, ouais, Boris à la rescousse. Hein. Voyons voir. J'arrive, mon ami. J'arrive. Attaque. Attaque de dos. 2. Gros dégâts. Tout ça pour ça. Ah oui, oh merde! Je vais me prendre une flèche dans le dos. Oh non. Oui! Oui! Allez! Oh là là. Oh là là, tu peux le faire. Je balance une mine là. Je vais tenter un truc. Ça va être chaud. Hein. Hop ! Je tente quelque chose. Et je vais me planquer derrière l'ogre. Je le tente. Je suis un ouf, je le tente. Un PV ! Il a un HP. C'est le sauvetage de ta vie. Allez, là tu l'as. Alors dis-moi que tu l'as. Oui ! Régène full vie. C'est bon, sauvetage réussi. Oh là là là. Oh, c'était chaud. Hein. Oh oui, la parade.
dans tes rêves. Nickel. Et l'autre, il va mourir du feu, normalement. Blah. Voilà. Blah. Alors, hop. On va se mettre là. Frappe multiple. Je sens une odeur de plèbe s'approcher. Je peux pas. Un tir à mort, là, ça sert... Bon, on va juste le finir. Allez, hop. Adieu. Là. Mon merde. Maintenant. On va aller là. Le barbare, je vais le soigner avec ma prêtresse. Que même si t'es costaud, t'as quand même pris un peu cher, hein, mon ami. Hop. Dalzabeto Navalu. Nickel. On va se mettre là et je vais pougner cet archer. Ah, je vais essayer de l'effrayer, tiens. Fuck. Comment je pourrais faire? Ouais, la route est close. Non, mais on va aller là. Petit sprint, tranquille. Bon. Ça y est, l'ogre a repris l'agro. Hein? Qu'est-ce, c'était quoi ça? Petit coup en avant, petit coup en arrière. Alors. Oh. Oh. Oh, ça va faire très mal. Mais c'est raté, donc je me déteste. Il est où le switch de ce truc là? Non, j'y pense. Mais dis pas qu'il est dans les décombres. Attends voir. Attends. Ah, c'est là! Ah, alors attends. Alors, voyons voir. Je peux passer là. Passer là, passer là. Et aller ici. Et je me mets là. Ça va affaiblir tout le monde. Le lapin, le coup du lapin. Non, on va avancer avant. Hop. Et là, on va faire un petit piou-piou. Sur lui, tiens. On va pas lui. Ok. Bon, l'archer, là. Ça prend un peu cher. Bon, il reste plus grand monde. Ça va le faire. Nouveau tour. Je peux faire un tir multiple. Risqué, mais allons-y. Ouh. Ok, ça. Y'a pire. Tire lui. Ah oui, étrange tendon. Nickel. Alors, la prêtresse. Peut-être que là, on peut faire un petit soin tranquille. Y'a besoin de soin en fin de compte. Ouais, allez. Voilà. Ils vont se mettre bien. Le barbare. Barbare. Bonk. Prends ça, mauviette. Voilà. Comme il y en a déjà deux là, je vais me mettre là dans son dos. Alors, est-ce que toi, je peux te renverser? Dégage. Yes, magnifique. Il perd un tour. Oh, ils vont sur le voleur. Mais il esquive. Allez, il en reste plus que 3. Avec un peu de chance, il y aura beaucoup de récompenses. Lui, il est complètement bugué, hein, j'ai l'impression. J'espère qu'il y aura une bonne récompense. Ah, la cithare. C'est vrai que je l'ai jamais utilisé, la cithare. Vas-y, let's go. Juste pour voir. Pas mal. Ah, il reste un archer. Ok, 2 cacs et un archer. La magicienne.
Alors je peux me mettre là. Et je peux tenter un phénix. Pyro Piafs. Il y en a quelqu'un enflammé. Ok. Bon, on va continuer d'attaquer lui, comme ça au moins. Ce sera plus facile à terminer. Tac, finish him. C'est pas mal pour un rempailleur de chaises. Voilà. Sauf que j'ai pas d'autre action, donc je passe. Chez lui. Allez, on va finir tout ce beau monde. On va finir tout ce beau monde. Oh, je vais me catapulter sur l'archer. Let's go. Donc. Voilà. Nickel. Toi, tu vas aller là. Ah, j'aurais dû faire une petite course. Tant pis. La prochaine fois, tu réfléchiras avant d'affronter un nain. Ah, d'accord. Ok. Ah, mais c'est vrai que avant, ça nous aurait fait chier un peu hein, de faire un combat avec ce genre d'ennemi, mais maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on roule dessus. C'est n'importe même quoi. Pas mal. On leur roule dessus. Allez, finis-moi ça. Voilà, nickel. Hop, tu vas te mettre là. Et... T'as besoin d'un peu de soin ou pas? Un PV. Je vais te congeler. Ça me fait plaisir. Allez. Ah non, mais là on est très très bien. En termes de matos, on est très très bien. Oh bah il est mort. Il va mourir du gel. Voilà. Yes! Oh! Oh, il y a des belles choses. Arc épique de Galadriel. Bon, bah, ça, c'est pour l'archère, hein, évidemment. Exceptionnel. Bon, déjà, on va soigner tout le monde. Voilà. Ça, tout le monde est soigné. Alors, l'arc épique de Galadriel. Cet arc a prétendument appartenu à la magicienne des pâtés, Galadriel. Ah oui, d'accord. La corde est enduite d'un genre de graisse blanchâtre censée améliorer sa durée de vie. Casque de Mugnar le pulvérisateur. Protection de qualité ayant appartenu à un chef barbare très dévot envers Chrome. C'est-à-dire qu'il a massacré des milliers de personnes sur le champ de bataille. Grand arc pompeux d'alcoolémie. On raconte que cet arc est censé permettre aux personnes ivres de tirer correctement. Et pagne gourmand croquant. Pagne ogre porté au petit déjeuner. Quelques taches de jus de rôti et croûte de gratin de nouilles ajoutent à l'aspect décoratif de l'objet. Pourrait servir en combat, qui sait. Ben voilà. Ah non, c'est une cinématique. Ouf, c'était le dernier. Ah, c'est parce le que je suis surchargé. Pour l'instant, les Troglilorques vont revenir. Ils sont sans doute des milliers dans ces tunnels boueux. Il dit que... Je crois comprendre, mais c'est toujours pas le moment pour la soupe. Il faut qu'on prévienne le roi et qu'il nous envoie des renforts avant que les Troglilorques se pointent. Alors, je prends le ranger. Ah, le ranger a pris un niveau. Intéressant. Très intéressant. Grand arc pompeux d'alcoolémie. 27-35. Ça donne quoi? La résistance physique. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Attends, qui peut le prendre? Le barbare, quoi, on va voir. Ah, il l'a pas déjà, ça sac. Ah bah si, il l'a déjà. Ouais, mais toi, t'avais l'autre. Alors, pourquoi les gens, ils mettent des mains dans mes poches? Ton arc... Of Doom de l'Apocalypse. En armure, le pagne croquant. Alors. C'est vrai que t'as avec ça, tiens, un peu de charisme.
Le casque pour si ça lui. Ça sent, c'est mes bottes. Alors, protection 3, protection 2. En fait, j'ai mieux là déjà. J'ai déjà mieux. Ouais, j'ai déjà mieux. Cagoule de Bartoul de le décharneur. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. Qu'est-ce que j'avais de plus? Je ne sais plus. J'avais rien de plus. Ouais. Alors. Voyons voir comment je te buffer. Comme ça. Alors, en termes de passif, je peux te rajouter encore de la force ou de l'adresse. Ouais. De la force. Un vrai leader avec de vraies compétences. Oui, sinon de l'adresse. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Ouais, de l'adresse, c'est mieux. Alors. Ah, j'augmente ma protection. Bah, let's go. Voilà. Nickel. Donc, dans l'inventaire, il y avait rien, en fait. Ouais, il y avait rien d'autre. Par contre, je suis toujours trop lourd. Bon, on va virer des bouteilles de vin, parce que... Désolé, bouteilles de vin, mais... Non mais même la bière du donjon... le vin... Alors après... Peut-être qu'en fait c'est fait pour vendre hein. Je sais pas du tout. Mais sinon je vois pas à quoi ça sert en fait. Ah c'est des buffs. Yes. Voilà. Bon du coup j'ai toujours pas trouvé mon Ranger foutu levier. Un niveau. J'ai pas trouvé le levier. Je rappelle à la base, je cherchais un levier. J'ai pas trouvé. Oh! Oh bah y'a des nains qui sont là. Je les avais jamais vus. Ah! Mais ça commence à se repeupler! Toujours pas? D'accord. Bah c'est pas lui? Ah bah non, il est en cellule. Bon. Où est-ce que je vais le trouver, mon foutu levier? Toujours pas? D'accord. Ah, est-ce qu'ils sont revenus? Les nains. Oui, ils sont revenus. Bonjour. Misère, je suis déshonoré. Avec un peu de chance, je serai juste démembré à la scie à gigot. Et là, ça va pas fort, on dirait. Que veux-tu, surfacine de malheur? Laisse un pauvre forgeron à son désespoir. Ah, ça va, j'ai défendu les portes contre les Troguilorques, presque tout seul. Et comment ça, tout seul? Ça va, j'ai dit presque. Je suis un peu le héros du jour. Le héros, tu parles? Les Troguilorques qui se sont infiltrés pendant l'attaque sont passés par la forge. Ils se sont emparés des morceaux de leur hache sacrée de Dwalignolborgne. Eh, hey, mais c'est une arme légendaire. Je croyais qu'elle avait été détruite pendant une bataille contre une armée de démons des profondeurs. Il y a quelques semaines, nous avons trouvé d'anciens tunnels en creusant, juste avant de tomber sur ceux des Troguilorques. Les morceaux de la hache, ils étaient là. Depuis, je travaille à la reforger. Une hache comme ça ferait la fierté de n'importe quel clan. Hélas, ces maudits Troguilorques sont partis avec. Si vous pouviez les récupérer, alors là, oui, vous seriez des héros. On va tout faire pour ça. En plus, on pourrait la garder pour moi. Marrant, à un moment, j'ai pensé que tu allais dire « pour nous ». Si vous la retrouvez, vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Comme d'hab. Alors, vous avez la hache sur... Non, pas encore. On est en train d'examiner les... Ah non, pas encore. Ah mais je peux pas y aller. Ah, en fait, il va sûrement nous déverrouiller l'accès. Alors, retrouver les débris de la hache sacrée. Waouh, mais comment tu veux que je trouve ça, moi? Ah mais ils peuvent être n'importe où, c'est ça? Alors, est-ce que c'est un truc qui brille, comme avant? Faut regarder partout. On va avancer prudemment. En tout cas, ça a l'air d'être à cet étage. On peut toujours pas rentrer. Mais y'a cette histoire de levier là. Faut que je note l'endroit pour qu'on puisse les attaquer avec mon clan. Il est où mon foutu levier? Je sais pas où est ce foutu levier. Bon, en tout cas, les nains, ils ont l'air d'être revenus. Hein. Revenus dans la place. J'ai l'impression que c'est là-bas en fait. Mais. Je me rappelle bien qu'il y avait un truc. Oh! Oh!
activateur. Et les nains, ils disent rien. Des blagues. Des blagues. Alors. Hop, tu vas te mettre là. Le nain, tu vas te mettre là. Ça, vous pourrez faire du lancer de nain. Toi, tu vas te mettre... Attends, comment ça se passe, les tours? Ok, tu vas te mettre là. Ça, ça bouge pas. Le voleur, tu vas te mettre un peu plus devant, limite. Un, deux cases, ça devrait le faire. La sorcière. Tu vas te mettre ici. La prêtresse, tu vas te mettre là. Et l'elfe, tu vas te mettre derrière cette caisse. C'est parti. Alors. Tiens, lointain. Bon, ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de vie non plus. Hein. Ouais, ça va. Let's go. Ok, il est déjà immobilisé. C'est parti. La guerre commence. Ah oui, d'accord, il vient direct, lui. Chaud. Ah, il a pété la caisse. Ah, ça va peut-être nous arranger, ça. Serrez les rangs. Tac. Je vais me mettre juste devant. Mais voilà. Il y a beaucoup d'archers, hein. Il y en a trois, je crois. J'ai bien vu. Vigilance. Ah ouais, d'accord. Atto, l'attaque, oh, le gosse, c'est giga loin. Même pas mal. Baston. Baston. Alors, tu vas te buffer. Voilà. Coucou, ça fait un moment. Coucou, Libellia. Tu vas bien? En effet, ouais, ça fait un moment. Quoi de neuf? Lancer le nain. Ah ouais, mais... Ah. Si, si, lancer de nain. Tant pis, ce sera que pour un mob. Ah, 88. Propre. Comme il a plus vigilance, on avance. Le voleur. Elle foufou. Je ne suis pas là. Chut. Voilà. Et tu vas te mettre ici. Les pigeons de feu. Non, on va d'abord se mettre là. On va d'abord se mettre là et pigeonus de faux. Voilà, comme ça il a enflammé. Aïe aïe aïe. Oh oui. Attention. Oh, partiel, magnifique. Alors, c'est vrai que comme ça fait un moment, tu ne le sais pas. Mais il y a plus la cam en fait parce que elle est morte. La cam est morte. Donc voilà, ça fera des streams plus chillax. Mais sinon ça va. J'ai pu streamer qu'aujourd'hui cette semaine. Bah, j'ai pu streamer qu'à partir d'aujourd'hui. Voilà, ça va quand même mieux. Parce que j'ai eu des nuits de sommeil terribles. Ça a vraiment à passer mes journées à être au fond. Mais littéralement. Du coup, ouais, c'est ça en fait. Les deux derniers jours, je commence la journée avec un effet ralgant. Mais là, là, ça va. Ah, quoique, non. J'en ai pris un ce matin. Donc, voilà. Là, comme ça va mieux, bah. Go le stream, allez, go. Tout simplement. Comment on va gérer cet ennemi là? On lui fonce dessus. Il a beaucoup de vie. Ouais. Bon. Allez, tapez. Oh, mais les dégâts qu'on met maintenant, c'est ahurissant. Insomnie. Non, même pas. Parce que. C'est juste que j'arrivais pas à dormir. Ou je me réveille, mais je suis crevé en fait. Alors, à moins que j'ai développé une forme de somnambulisme. Ah, c'est ce qui pourrait expliquer mon chien, il est toujours le sourire en mode
Tiens, je veux faire du manège. Oui, parce que... parce qu'en fait, il a son lit à côté du mien. Sauf qu'en fait, à chaque fois, je le recale contre le mur. Parce qu'à chaque fois, en fait, quand il se barre, il le vire, en fait. Donc maintenant, il m'attend pour qu'on aille dormir. Il m'attend pour aller dormir. Et à chaque fois, il veut faire un tour de manège. En mode... je le pousse et tout. C'est trop drôle. Je dis ça, mais qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui! Let's go, tant pis pour le nain. Voilà. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Sauf si on veut aider nos ennemis, bien entendu. Ok. Mais sinon, non, Vengeance. Le pire, c'est que je me couche pas une heure ou tardive non plus, quoi. Quand je parle d'heure pas trop tardive, c'est quoi? C'est 23h minuit grand max? Je sais pas. Oh, brise armure. Magnifique. Oh non. Tu t'as arrêté de manger du saucisson aussi? Oh, soigne les PV, une blessure du personnage ciblé. Ou tu retentes une action. Non. Tu vas rester là. Toi, par contre, je vais te faufiler dans son dos. Avec ta furtivité. La magicienne. Un petit coup de gif, tiens. Grillipop. Voilà. Ah, c'est beau. Est-ce qu'on se ferait pas une autre action? Non. Ah oui, lui, je l'avais oublié. Aïe, aïe, aïe. Je l'avais complètement zappé. Bon, sinon, quoi de neuf, Livelia? Depuis le temps? C'est vrai que ça fait un petit moment. Quoi de neuf? Ah oui, je peux même pas tirer. Oh. Bon bah, je tape. Combien il a d'HP? 92. Oh, on va le tabasser. 55. Si je me barre, je vais en prendre une. Donc on va le taper, hein. 40 avec un bâton, quoi. C'est honteux. Je vais me remettre une action et je vais le retabasser. Pour la peine. 41. Ah oui, lui, il est à terre. Ah, 51. On se prend de ses mines. Bah, cet après-midi, j'ai décidé d'aller me faire teindre les cheveux en rose gold. Ah ouais? Bah, pourquoi pas? Tiens, je... Alors, si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui t'a motivé pour cette couleur? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Je retourne une baffe. Hein. Non, je vais garder ça pour là. Je me suis dit, on n'a qu'une vie. D'accord, ok. Tout simplement. Bah pourquoi pas? En vrai, ça peut être stylé. Hein. J'en connais, hein, qu'on ait cheveux teints roses. Mais rose gold. Rose gold. Je vois pas ce que ça pourrait donner. Ce serait rose avec les pics dorés. Bah ça me fait envie depuis un moment alors. D'accord. Ah oui. Bah tu dis, c'est le moment. Let's go.
dégâts. On va faire un gros bonk. Ah non, ça fait un sprint. Ah oui, il a vraiment pas de mouvement, l'ogre. Non, c'est un rose clair un peu roux. D'accord. Ah ouais, ça peut être... Ça peut être vraiment stylé. Qu'est-ce que je tente de faire, moi, là? J'en sais rien. Allez, un petit tir d'arbalète dans les côtes. Enfin, faut que ce soit réussi. Oh bah, si tu pars déjà défaitiste. Pessimiste, pardon, si tu es déjà pessimiste. Je vois pas pourquoi ce serait pas réussi. Eto, rapido. Oh oui. Oh magnifique. Et c'est souvent dans la gueule. Ah. J'ai la ref. Bien visé. 3 PV. 3 PV. Ouais, je sais, c'est original. On va se dire... c'est qui cette folle? Bah non. En vrai, ça devient assez... assez courant, en fin de compte. Il y en a de plus en plus qui le font. Bon, avant, c'était plus les teintes cheveux blancs. C'était plus les teintes cheveux blancs. Maintenant, il y a un peu de tout. En vrai, c'est pas si dingue que ça. Faut pas se dire ça, hein. Faut juste se dire, bon, bah, moi, ça me plaît, tant mieux. Moi, ça me plaît, c'est tout ce qui compte. Depuis le confinement. Ah, par contre, depuis le confinement, c'est pas la même chose, hein. C'est plus... Ouais, bah, votre rendez-vous, vous l'aurez dans 3 mois, hein. Ça vous dérange pas? Ah, 3 mois! 3 mois! Les gens ont envie de folie, je crois. Bah là, d'ailleurs, y a le confinement, là, qui commence à reprendre. D'ailleurs, chez moi, ça va peut-être pas tarder à arriver. Faut voir. Bon, en même temps, à un moment les gens arrêtaient pas de le demander, à un moment les gens sont pas contents, les gens savent pas ce qu'ils veulent. Ah, déjà chez toi? Ah, d'accord. C'est déjà fini? On a même pas transpiré. C'est déjà fini? Hache brisée de Dwaline le Borgne. Ah, c'est qu'un morceau? Ah oui, y'a pas tout. Ah, y'a pas tout. Ah oui, on va falloir continuer de chercher. Mais les coiffeurs sont ouverts. Bah après, faut penser aussi que... Bah c'est quand même des... Comment dire? C'est des prestataires de service. C'est du service. Et pour eux, c'est vraiment horrible ce genre de... Ce genre de période. Parce que bah, ils ont pas beaucoup de clients, quoi. C'est horrible pour eux. La dernière fois que j'y suis allé, elle est ultra sympa, ma coiffeuse, donc il n'y a pas de souci. Mais elle me disait, mais c'est vraiment horrible ce genre de période. Vraiment, si ça ne pouvait pas arriver, ce serait cool. Parce qu'il y en a plein, malheureusement, mais même de grosses entreprises, c'est horrible pour eux. J'avais soif. S'il y a confinement, va y avoir aussi chômage partiel. S'il y a chômage partiel, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de... Tout ce qui va être, par exemple... Comment on appelle ça, les matières premières. Ça va être horrible pour tout ce qui est livraison, etc. J'en parle même pas pour tout ce qui est importé de l'extérieur, du pays. Non mais c'est horrible, hein. Je crois que c'était encore... je sais plus si c'était pour le truc du Brexit, où l'Angleterre voulait revenir dans l'Union Européenne, parce qu'à cause du Covid, c'était la merde chez eux, ils pouvaient pas se débrouiller tout seuls. Il y avait je sais pas combien de routiers, voilà, je me trompe pas de terme. Les routiers. Oh là là, je crois que c'était pour la période de Noël dernier. Voilà, c'était ça, c'était Noël dernier. Où il y avait je sais pas combien de routiers qui étaient bloqués et tout, mais c'était...
T'es infâme. Surtout qu'eux, ils étaient juste là pour bosser en mode, bon bah je ramène les ressources qu'on m'a demandé. Bah je suis bloqué. Je suis bloqué dans mon bouchon. J'ai appelé ce midi et elle me prend à 14h. Oh ça va, ah bah t'as de la chance. Ça va. C'est cool. J'espère qu'elle avait pas à chier. Oh bah... Après le... Faut déjà que ça soit réussi. J'espère que la coiffeuse est pas à chier. J'espère qu'il pleuvra pas aujourd'hui, tu vois. Cafard séché de Yolchorat. Ce cafard empaillé d'une taille impressionnante est censé être une relique de Nurgle, à la fois réceptacle et vaisseau de son âme damnée purulente. Mais c'est peut-être juste un cafard. Grand arc pompeux de férocité majeure. À défaut de le fracasser sur la tête d'un ennemi, vous pouvez toujours tirer avec, c'est très efficace. Les grèves, on va le lire après. Pagne service compris. Pagne ogre pour déjeuner sur le pouce peut servir en combat, surtout lorsque l'ogre compte dévorer son adversaire encore vivant. Résiste bien aux tâches de trip tiède. Pas mal. J'aime ça. Non, j'ai pas fini Cyberpunk. En fait, je l'ai mis un peu de côté. Discussion ? Non, pas de discussion. Je l'ai pas fini. Parce que je l'avais mis de côté parce qu'il y avait eu plein d'histoires avec la maison, tout ça, santé et tout, qu'il fallait que je règle. C'est pour ça qu'il y a eu une petite période où j'ai pas du tout stream. Carrément un mois et demi en fait. Et en vrai, la vraie raison pourquoi je l'ai mis de côté, c'est parce que en fait, j'ai rencontré pas mal de bugs et je voulais en fait laisser autant à CD Projekt d'en régler la majeure partie. Qu'ils sont encore en train de faire, je crois qu'ils sont... Ils sont encore en train de parler d'une mage, je crois que c'est la 1.2, qui est censée régler je sais pas combien de problèmes, mais ils ont toujours pas donné de date pour le déploiement. Je crois que c'est ça, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. 25-32, chance de crit... Bah c'est celui que j'ai. Bah oui. Bon bah... Mais sinon ouais, sur Cyberpunk, il y a encore je sais pas combien de choses à faire. Hein. Et je crois que j'en étais quasiment une centaine d'heures de jeu. Non, 70, pardon. Pas dire de bêtises. J'étais à plus de 70 heures de jeu et... Il y avait, je ne sais pas encore combien de choses à faire. Il y a trop de trucs à faire. Pour le jeu. Mais bon, c'est cool. Bah, je trouve le scénario principal un peu pauvre, moi. Alors après, je peux pas te dire parce que... Je vois que je n'ai plus de souvenirs. J'ai plus trop de souvenirs. Je les récupérerai quand je reviendrai dessus. Mais J'en étais arrivé où ? J'en étais arrivé avec... J'en étais où, moi ? J'étais avec les... pas les Espagnols, mais comment ils s'appellent ? Ceux qui t'amènent dans... Ceux qui t'amènent dans l'espace virtuel, où tu retrouves la femme de Silverhand, de Johnny. Les Voodoo Boys, voilà, merci. Les Voodoo Boys. Pas les Espagnols. Les Voodoo Boys. Les Espagnols. Tac. La grève avait de fait rendu plus pénible le travail de la Fédération des Chasseurs Barbus des Montagnes, puisque ceux-ci s'étaient retrouvés avec deux fois plus de travail, et qu'il faisait toujours chaud. Il se déclara donc gréviste seulement deux jours plus tard. L'Association des Mineurs des Bas-Fonds ne tarda pas à suivre, agacés par le fait qu'ils ne pouvaient plus préparer leur sandwich avec de la charcuterie. Non mais ce jeu est vraiment génial. Ce jeu, mais c'est vraiment une perle. Pour tous ceux qui connaissent Nalbuck, mais c'est du caviar ce jeu. Ah oui. Alors le pagne. Miam miam. Ouais, je me suis arrêté là aussi. Je fais tous les petits trucs à côté. Aussi. Bah c'est ce que je fais aussi. Parce que c'est tellement bien. Il y a tellement de petites histoires et tout à faire, de petits trucs secondaires, c'est vraiment génial. Surtout qu'il y a tellement de façons différentes de gérer ton perso. Et ça, c'est vraiment génial. Je me suis paumé dans mon truc.
Non, c'est bon, j'ai tout mis. Le jeu est beau, mais manque de petits trucs. Bah, c'est vrai que... Après, bon... Et oui, il manque des choses. Enfin, qu'il manque des choses. Mais bon, après, peut-être qu'il y aura d'autres trucs... Par... Ah non, je crois pas qu'il voulait... Si, il voulait faire des DLC. Ils allaient faire des DLC plus tard. Alors après, quand? On sait pas. Est-ce que je vais trouver mon fameux levier, moi? Il y avait un levier. Il y avait un levier pour un coffre, je pense. Et je le trouve plus. Je suis sûr que c'est dans cette zone, mais pourquoi je le trouve pas? C'est dingue, quand même. Mais qui sont ces pourceaux? Oh zut, ce sont mes compagnons, j'oubliais. À moins que ce soit là. Aveugleman ? Véritable Aveugleman ? Ah non. Un coiffeur, des salles d'arcade jouables, des trucs pas utiles mais fun. Oui. Le marchand, vite le marchand pour la thune. La thune. Commercer. Alors, vendre. Tiens. Hop là, donne-moi du flouze. Des armures, tiens. Prends tout. Hop là. Et d'un coup, on est plus léger. Oh bah tiens, mais y a du monde ici. Oh. Y a pas autant de monde avant. J'ai toujours pas trouvé mon levier, hein. Ça me perturbe. Ça me perturbe vraiment. Je le trouve pas, quoi. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et entendre les lamentations de leurs femmes. C'est d'accord. Peut-être qu'ils rajouteront ça un jour. Peut-être. À voir, hein. En vrai, c'est des projects... Normalement, ils ont les épaules, hein, pour tout ça, même si bon... Bah, ils sont passés par pas mal de galères, mais c'est quand même dommage, parce que... Pourquoi c'est quand les même vraiment sont dommage, quoi. Par les haches. Pour émincer la langue des andouilles. En vrai, quand on connaît leurs jeux, comme par exemple tout ce qui est The Witcher, on s'attendait vraiment à un truc... En fait, tout le monde s'attendait peut-être à trop. Après, bon, bah, il y a eu les galères qu'ils ont eues, hein, avec les actionnaires, les procès, machin. Je crois qu'il y a même un lead designer qui s'est barré. Je crois, je suis pas sûr de cette info. Ça alors, mais vous avez la hache? Ouais, la voici. C'est vrai qu'elle en jette, malgré le fait qu'elle soit pas encore terminée. Oui, c'est une arme unique. Alors, on a droit à quoi? À ma reconnaissance éternelle, vous êtes des héros, c'est vrai. Ouais, on est des héros. Eh mais non. Ils étaient attendus au tournoi, c'est ça. Ouais, donne des pièces. Ça sert à rien, l'or. Il faut pas être vénal dans la vie. Un forgeron nain nous a dit qu'on était des héros. Il peut rien nous arriver de mieux. Parfois, le fonctionnement de votre peuple m'échappe. Et maintenant, fichez le camp, j'ai du travail. Quand même, on s'est un peu fait repasser sur ce coup. Ouais, bon, j'admets qu'on a un peu bossé pour des prunes d'elfes. Mais j'ai pas la hache. Misère. Je vous déteste tous. Ah, il a retrouvé son état normal. Ah, mais ce jeu, c'est une pépite. Hein. C'est vraiment une pépite, ce jeu. Bon, est-ce que je peux enfin aller là-dedans? Toujours pas, hein. Mais comment je fais, alors? Si l'autre, il doit... Ah, vous êtes des héros, les mecs. Ah, c'est cool, hein, mais bon... m'a donné un peu de thunes, quoi, et puis... Allez, salut. Ah oui, je peux même pas y aller. Bon, bah, on va retourner voir le roi, hein, qu'est-ce que je vous dise. Il y a d'autres salles où j'ai pas encore été. Pas besoin de carte. Donc j'y pense. Non, on a tout fait, hein.
Par contre, il y a toujours cette histoire de... de levier. Ah non, il y a une porte là-bas. À droite du palais. On va aller voir ça. Allons voir ça. C'est pas la bonne direction. Faut vraiment que je retrouve ce levier. Hein. Automatique ? C'est automatique. Oula, il y a des golems ! Victoire ! Bravo ! Quelle belle boucherie ! Avec le roi Lennon. Tant de tripes répandues et de sang versé ! Viscères et boyaux éclatés font une belle décoration dans ma mine ! Ouais ! C'est pas très feng shui, hein ? Au-delà de l'aspect ludique, cela aura permis à nos renforts d'arriver. La vache ! Ils ont des golems de fer ! Je croyais que c'était une technologie des gobelins ! Oui, eh bien, je ne vais pas trop poser de questions. Je veux pas finir en crêpes Suzette. C'est maintenant qu'on fait des crêpes ? Youpi ! Vous êtes plein de surprises. C'est le destin qui vous envoie. Vous me livrez un traître, puis vous terrassez nos ennemis. Bien, bien. Il faudrait juste arracher la langue de votre elfe. Mais, du coup, on pourrait parler de notre rémunération ? Je dois d'abord comprendre pourquoi les portes ont été ouvertes. Le plus simple serait de soigner les gardes qui les surveillaient. S'il y a un survivant, vous pourrez le questionner fermement et démasquer son incurie. Sauver des mourants pour les torturer ensuite. Parfait. Ah, je vous aime bien, vous. Il y a des affections dont on se passe volontiers. Voilà, c'est... on a bien avancé, là, non ? On peut parler de notre récompense ? Je comprends votre impatience, mais il y a gros à gagner. Allez faire un tour à la taverne le temps que je fasse... empaler quelques affaires courantes. Ensuite, nous parlerons de choses importantes. C'est-à-dire amusez-vous que... un peu et essayez nos bières spéciales. Je n'en ai pas pour longtemps. Bon, eh bien... passez le temps, oui, c'est... d'accord. Je l'aime vraiment pas. En plus, il a les dents jaunes et marron. Et alors, il y a d'autres couleurs ? Bon, soufflons un peu, ça nous fera pas de mal. Aller boire des bières, c'est quand même pas la pire quête qu'on a eue depuis le début. L'optimisme des aventuriers est un sentiment qui tient le plus souvent d'un mélange subtil de naïveté et de stupidité. Je crois que la question est vite répondue. Alors, passez le temps. Ah ouais, il y avait une porte là. Ah, je peux toujours pas rentrer. Et il y a ce levier. Ce levier qui me hante. Je ne sais pas où il est. Mais attends, on peut monter ? Non, c'est ce qui me semble. Donc l'enclume doit sûrement être à l'étage. Et où peut être ce foutu levier ? À l'assaut ! Comment ça, à l'assaut ? Mais calme-toi. Qu'en fait, il y avait plusieurs leviers dans cet étage. Ah, ça doit être là ! Non, c'est pas là ! Oh putain, il était là depuis le début ! Abrutix, mon alcoolix ! C'est à la forge. Le prochain est à la forge. Je me déteste. J'avais même pas regardé ici. Je me... alors... la forge est là-bas. On va s'en sortir. Dans la cuisine. Ah bah... à la taverne. C'est à la taverne. Ça tombe bien, notre prochaine quête est là-bas. Ah mais j'espère que ça va pas se déclencher automatiquement. Ah ça m'arrangerait que ça se déclenche pas automatiquement. Si, ça va se déclencher automatiquement. Ah, dommage. Je crois que nous avons trouvé la taverne, pas de doute. T'as mis des points en reconnaissance des lieux souterrains ? C'est un peu curieux de placer un débit de boisson si près d'une mine. Nous, les nains, on creuse le jour et on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Bon, on va pouvoir se boire une petite bière tranquille et sans la faire la bonne ref à la chanson de Gurdil. Regardez, ce nain semble se diriger vers nous. Ah !
C'est donc que vous, le groupe de surfaciens. Vous osez amener une elfe ici. Quelle honte! Il fut un temps où on vous aurait arraché les tripes par les narines pour ça. Souillure de Gorbarg! Comment il nous parle, lui? Je crois qu'il vaut mieux éviter de répondre. On est juste là pour passer le temps, pas pour avoir des problèmes. Va mourir, face de Nogrok mal lavé! Vous êtes tous témoins. Il a répondu à mon insulte. Il a accepté le défi. Le quoi? Ah, je crains de comprendre. Moi, je comprends pas. En répondant à l'insulte Goraltok, champion en titre du grand duel des insultes suprêmes, votre nain surfacien a relevé son défi et choisi de contester son titre. Ah, ouais, je le prends quand il veut. Ne pourrait-on pas temporiser? Le duel d'insultes doit avoir lieu maintenant. Le vaincu devra s'humilier devant le vainqueur et portera sa marque d'infamie. Dites, à titre de curiosité, il a gagné souvent, Goraltok? Il est invaincu depuis 114 ans! Ah oui, tout de même. Je suis certaine que notre nain à nous est le plus pénible. On dirait un compliment, je sais pas trop comment le prendre. Assez jacassé comme des oies. Que le combat commence! Ouais, alors faut m'expliquer comment vous gérez ça ici. J'ai le droit de connaître les règles du jeu. C'est juste. Goraltok est le champion en titre. Il parlera en premier. Je me souviens. Tu pourras répondre ensuite, surfacien. Je donnerai le thème des insultes et jugerai du vainqueur. Ça m'a l'air moyen sur le plan de l'équité, leur truc. En général, les nains prennent ces duels d'insultes très au sérieux. Tricher sur les plus honorants. Le premier à atteindre trois insultes gagnantes emportera le match. Le perdant devra s'humilier devant lui et la honte s'étendra sur son clan et sa descendance. C'est bon, j'ai pigé. Allez, vas-y, envoie le pâté, Goraltok de mes deux citrouilles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La première insulte devra concerner le clan de l'adversaire. Ton clan est tellement naze que les orques vous ont écrit une chanson d'amour! Avec du poil autour! Attaquer leur aspect, attaquer leur dignité, attaquer leur courage. À propos du clan de l'adversaire. Ils ont aucun courage. Ton clan est tellement naze qu'on peut compter vos victoires sur le moignon d'un lépreux. C'est inattendu. Allez! Mais la victoire va aux surfaciens! Bah, c'est un coup de chance. L'insulte suivante doit concerner les armes. Tu as pris l'avantage, c'est bien. Faut pas se ramollir. Tes armes ont l'air d'une panoplie de Noël pour bébé gnome. Alors, les armes. Alors, la fabrication, l'aspect, je pense, ça sert à rien. La fabrication, l'efficacité. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui a touché? Je vais le détruire. Non, c'est bon, ça a l'air d'être revenu. Attendez, on va refresh ça. Oula, il y a eu une perte de call. Alors attendez, est-ce que le stream a planté par hasard? Normalement, non. Non, c'est bon, le stream a pas planté. Ok. Jouer sûr. C'est bon. Youp. Alors, attaquer. Alors, fabrication ou efficacité? Donc, les armes. Je dirais l'efficacité. Les armes sont aussi efficaces qu'une brosse à chiottes de gobelins. Simple, mais très efficace. La victoire aux surfaciens. 2-0 en sa faveur. Quoi? Mais c'est impossible. C'est impossible. Cruellement. On dirait un accent du sud. L'insulte devra concerner la barbe. Encore une et tu peux gagner. Oui, c'est au poil. Attention, les jeux de mots ne sont pas autorisés. Le duel d'insultes est un acte sacré. Ta barbe est aussi malodorante que la croupe d'un yakak. Alors, barbe paillasson, barbe serpillière, barbe gobeline. Et en vrai, quand je regarde les trois choix, pour moi, celui qui se démarque, c'est Goblin, quoi. Tu vois, paillasson, serpillière, c'est la même chose, quoi. Alors que Goblin, j'ai envie de voir la Goblin. Ta barbe est aussi moche qu'un gobelin qui aurait la scarlatine. C'est quelconque, vraiment. Merde. Le point va Goraltok. Hé hé, je vais soigner ta rune, petit pactoqué. Bah, y'a deux, hein. La prochaine insulte, on va comparer l'adversaire à un animal.
Tu as une chance de le finir maintenant. Je fais ce que je peux. C'est épuisant sur le plan intellectuel et il est très fort. Dantragore dysentérique. Insulte simiesque, entomologie chimérique. Simiesque. Babouin à rouflaquette huileuse. Oh, pas évident. Oh, mais t'es sérieux? Je donne le point à Goraltok. Égalité parfaite, du jamais vu depuis 60 ans. Ta fin est proche, surfacien. Nous arrivons à la dernière insulte. Elle sera forcément décisive. Cette insulte est libre. C'est redoutable comme concours. Ah, le suspense. Je peux même pas sauvegarder. Piocheur de rocher en mousse. Attaquer la taille, la famille, attaquer le nez. Je peux pas... Non, je peux pas sauvegarder. Ah, la taille, le nez, la famille. La familia. Ah, j'hésite entre la famille et le pif. La famille ou le pif? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Piocheur de rocher en mousse. Ah, c'est pas fou, quoi. Famille. La famille. Triste fils d'un bouc incestueux. Boum. J'hésite. Quoi? Tout bien pesé. La victoire au champion titre. J'exulte. Bah, je le savais. C'était facile. C'est surfacien le vocabulaire d'un bol de fromage de chèvre. J'ai envie de l'essayer. Et l'esprit d'un rutabaga fané. Ouais, ben je... Ah, et puis merde. Une bière, qu'on oublie ça. Moi, j'ai les oreilles qui saignent avec toutes ces choses méchantes. Au moins, ça, c'est positif. Bon, de toute façon, on était là pour tuer le temps. Du coup, c'est fait. Ouais, on a tué mon honneur aussi. Ah là là, je vais me balader avec cette rune pourrie pendant 66 hivers. Retournons voir le roi maintenant. J'ai vu ta barbe en promotion pendant des soldes... Quoi? C'est quoi ça? Des soldes avec un manche à balai et un saut. Perdre le grand duel. Non mais moi je veux le gagner. Je veux voir ce que ça donne si on le gagne. Est-ce qu'il y a une autosave? Start fight. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Ah non, midi 26. Ça va. Allez, midi 26. J'ai envie de voir ce que ça donne si on gagne. Je vais voir si on gagne un truc, en fait. Ou si c'est juste comme ça, en mode YOLO. Donc, il faut que je retrouve aussi le... Oh, va falloir que je refasse tout l'inventaire. Ouais. Va falloir que je reparle au roi, aussi. Va falloir que je retourne voir le forgeron, mais je peux passer les dialogues, au moins. Ça ira beaucoup plus vite. Faut juste que je retrouve les leviers. Ça va aller vite. J'ai juste sauvegardé avant de rentrer dans la taverne, comme ça, au moins, on sera sûr. Alors, on en était où? Oui. Ah oui. Une compli. Charisme ou courage? Le charisme, ça donne quoi déjà? Augmente le... Ah ouais, mais c'est... Ouais, le courage. Il y avait quoi d'autre? Il y avait des armes, non? Non. Des amulettes, non. Mais il fallait se débarrasser de... De boisson. Faire un peu de place. Voilà, ça en fait de la place. Ok, let's go. Bon, je file, bon stream. Et bah, bonne journée à toi, Libélia. Des bisous. Ça alors, mais vous savez... Là, ça c'est fait. 420 pour... Oups. Du coup, le levier était là-bas. Non, là. Et c'est là. En effet, il est là. Ensuite, c'est à la forge. Après, c'est dans la cuisine. Dans la cuisine. Dans la taverne.
Tum-tum-tum-tum. Allez, c'est ça. Ok, il n'y a plus qu'à aller voir le roi. Ah non, sinon je vais faire le levier tout de suite. Ça sera fait. Let's go. Ça manque de poney à coiffer ici. Ou de marmotte à câliner. Et on va en profiter pour vendre. Tant que je suis là. Anneau du Berserk. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Donc, le levier... Ah bah, nain louche, attendez. Alors ça, c'est intéressant. On va d'abord faire le levier. Hein ? Oui, d'accord. Bon, d'abord le nain louche. Bonjour, braves gens. Seriez-vous intéressé par une affaire honnête ? La façon de prononcer le mot « honnête » ouvre un monde de possibilités. Je vous ai, fortuitement, entendu discuter d'une hache lors de votre visite à la forge. Fortuitement. J'inspectais justement une serrure à ce moment. Vous inspectez les serrures avec les poils de vos oreilles ? Je pense que nous pourrions faire affaire. Je détiens, tout aussi fortuitement, la clé de la porte arrière de la réserve de la forge, dans laquelle le forgeron ne manquera pas de ranger... la hache. Et vous pourriez nous céder cette clé contre quelque argent ? Non, je pensais plutôt à vous engager pour prendre la hache pour mon compte. Minute ! Pourquoi ne pas le faire vous-même ? J'ai eu quelques déboires avec le forgeron dans un épisode précédent. Je suis depuis très surveillé. Mais si vous pouviez, de nouveau, trouver fortuitement cette hache, vous n'auriez pas affaire à un ingrat. Ça se tient, c'est tentant. On pourrait toujours garder la hache pour nous. La pente fatale du crime ! Quelle joie ! Ça fait beaucoup de choses fortuites dans cette affaire, quand même. Ah, donc on va enfin pouvoir rentrer chez lui. La hache de Dwaline, épilogue. Yes. Ben voilà qui est intéressant. Du coup, je présume qu'il faut que je passe par le côté. Ouais. Pas sur le côté. Surtout que l'autre, il nous a même pas filé d'argent. Alors... Il a rien filé. Alors, oh. Oh. C'est pas évident d'être le chef d'une bande de baltringues. Oh là là. Baudrier de la montagne des crânes. Confectionné dans le meilleur cuir de Drantragor musqué, ce baudrier a été porté dans main de bataille. Il est généralement pris par le vainqueur sur la dépouille du vaincu encore tiède. La bière. Passoire de bastonnage d'Etchebec. D'Etchebest. Cet ustensile de cuisine ayant appartenu à un chef prestigieux était utilisé pour tabasser les commis de cuisine un peu trop apathiques. Ah non, mais là, c'est carrément une référence à Etchebest. Carrément. Bien joué. Franchement propre. Y'a quoi là-dedans ? Ah, c'est mon sac. Ah, cool. Oh. Et un marteau pour mon ami Ogre. C'est mon stylé. Allez, je prends la hache. Voici la hache. Elle en jette. Bon sang, je ne sais pas s'il faut qu'on la rende à l'autre nain louche. Rien ne saurait égaler sa valeur. Pour que tu préfères la garder, c'est qu'elle doit vraiment être efficace. Une telle hache est au-delà de l'efficacité. C'est de l'art en acier. Il n'y a que les nains qui peuvent comprendre. C'est presque émouvant, un tel comportement. Va crever avec tes bouquins moisis. Bon, d'un autre côté, s'il en donne un tas d'or, ça se défend aussi. J'avais dit presque. Ah, c'est une... Attends. C'est un objet de quête ou c'est un véritable objet ? C'est un... Ok, c'est un objet de quête. De pas ouvrir. Ne traînons pas ici. Passons par la petite porte. Bon, bah ça c'est fait. Tam. Le concours d'insultes.
Quelle heure il est? Oh, ça va, mais on a encore le temps, en fait. On a large le temps. Ben oui. D'ailleurs, faut que je... J'ai oublié, parce que hier, comme je vous l'ai dit, ces derniers jours, j'étais vraiment en vrac. J'ai oublié de faire la VOD, de préparer la VOD de... il y a une semaine. Ah, en fait, c'est, je sais que c'est une vidéo de Nalbuck, mais j'ai complètement oublié parce que j'étais vraiment... Les ombres sont propices au crime, mais on peut aussi... Alors, vous l'avez ? Formidable ! Souhaitez-vous rendre la hache ? Oh ! Oh non, j'aurais dû sauvegarder. Oh, fais chier. Non, pas la hache. En fait, non. La hache est... Ah, et puis merde, elle est trop bien, je la garde. Ce n'est pas très satisfaisant. Ouais, bah c'est comme ça. Mes commanditaires ne vont pas apprécier. Vous risquez de gros ennuis. Non mais je rêve, ils nous menacent. On va te faire bouffer tes bottes. Je vois. Je me retire, mais nous ne sommes pas quittes. On se reverra un jour, s'il y a une suite à ce jeu. Ouais, bon, moi je m'entends le quatrième mur. Du savon à barbe. J'ai ma hache. Trop bien. Mais attends, mais j'ai vraiment une hache ? 3000 balles ? Objet de caisse utilisé. Ah oui, c'est une vraie... Je donne oui. Rien à personne. Ah non ? Ah oui, elle est équipée ! L'arme principale d'un personnage ne peut pas être déséquipée. Ah ouais, non mais elle est trop... Ah ouais, non mais elle est trop bien. Ah oui, mais bien sûr qu'on la garde. Bien sûr qu'on la garde. Bon. On peut parler à l'autre. Attends, c'est pas là, par hasard? Rappelle, il y a toujours cette histoire de levier. Non, c'est bon. Ah! Non, c'est derrière. C'est derrière. On va passer tout ça. Hein. Hop. On l'a déjà eu tout à l'heure. Hop, le coup du levier. Il est où, il est où, il est où? Où le levier? Ah, peut-être en face. Bon, ça va, ça aura pas duré longtemps. On va essayer de gagner le concours. Ça a changé, ça, par contre. Oh, non. Bon. Moi, je dirais qu'il faut qu'elle se regarde. Regardez le mur. LOL! Encore une victoire de l'intelligence. Oh. Oula. Ici. Quoi? Ah, mais c'est lui! Mais non, que faites-vous ici? Ah non. Grossier personnage? Oula, désolé de vous déranger. Non mais c'est quoi encore ce nain ridicule? On devrait pas être ici. Sortons, c'est très impoli. Oui, bah ça va, c'est quoi le problème? Ben c'est... Ah là là, j'ose pas la regarder. Mais qui? Chut, elle pourrait nous entendre. Sortez, ou j'appelle la garde, malotru. Oui, oui, désolé. C'est une reine des nains. Mais chut, et ne la regardez pas, c'est très inconvenant. C'est quand même curieux, cette barbiche. Bon sang, j'ai compris, c'est une femme naine. Elles sont très rares, mais personne ne sait vraiment pourquoi. La théorie la plus fiable est qu'elles sont rares parce que très peu de gens veulent les incarner dans les jeux de rôle. Bon, c'est fascinant tout ça, mais on va peut-être s'en aller, en effet. C'est une bonne explication. Bon, d'abord, moi je m'occupe de ça. Ah, la grève chez les nains. Putain, c'est vrai qu'il m'en manque encore. Bon, je fouille, hein, moi je m'en fous. Waouh, escargot runique. Cet escargot en pierre massif est recouvert de runes en inscrit. En inscrit. Mais attends, mais là, il y a un coffre avec peut-être 1000 trouvailles. Je supervise l'ouverture. Oh là 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 là. Prestigieuse à réticule. Bon, ça, je l'ai déjà. Ah non, modèle composite et précis développé par la célèbre firme Smith Hill et Wessondul pour décourager les bandits de grand chemin. Anneau des souverains. Un anneau pour les gouverner tous et dans les ténèbres leur faire payer leur tiers professionnel. Ah, j'aime bien.
Couronne de Carmusor Wiltronax. Artefact de sorcellerie au pouvoir ravageur. La couronne de Carmusor trouve son origine dans un vieux grimoire bien trop long pour une description en moins de 200 caractères. Tant pis pour vous. Robe de la disjonction astrale destructrice. Robe de grand prix pour magicienne émérite souhaitant pratiquer la magie de combat. Confère une prestance indéniable et des bonus évidents. Attention, ne protège pas de la mégalomanie. C'est trop bien. Oh, la magicienne, elle va tellement se mettre bien. 29-31. Se faire les poches à soi-même, ah, c'est ça la que j'ai... mise en abîme du voleur. Déjà. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes? Pas mal du tout. Avec ça, j'ai l'air puissante. Oh là là. Magnifique. Je peux lui parler? Sortez! J'appelle la garde! J'appelle la garde! La garde! Bon, j'ai trouvé la bibliothèque. Du coup, juste avant de rentrer, on va sauvegarder. Et on va essayer de gagner ce concours. J'aimerais voir ce qui se passe si je gagne. C'est une récompense ou pas du tout. Donc sauvegarder. Hop, c'est la douche. Voilà, c'est parti. Alors. Ah, je crois que nous avons trouvé la taverne. Je passe. Voilà. La première insulte devra concerner le clan de l'adversaire. Ton clan est tellement bidon que vos boucliers sentent le fromage de chèvre avarié. Prendre un chantios. Ah, y'a ça? Ah, attends. Ton clan ressemble aux têtes fumiers produites par un club d'ogres amateurs de viande avariée. C'est tellement... la victoire au surfacien. Oh, les bras m'en tombent. Ah, ce n'est pas en prenant des produits que l'on pourra me vaincre. L'insulte suivante doit concerner les armes. Tu as pris l'avantage, c'est bien. Faut pas se ramollir. Tes armes ressemblent à des outils de jardin en solde. Chantos. Les armes pourraient servir de cure-dent à un vieux ragondin arthritique. Oh, excellent jeu. Pardon, je dois rester impartial. Pourquoi il me donne des chantos? Victoire au sulfacien. Même moi, je dois admettre que c'est bien trouvé. Bon, 2-0. Mais je vais me ressaisir. La prochaine insulte devra concerner la barbe. Encore une et tu peux gagner. Oui, c'est au poil. Attention, les jeux de mots ne sont pas autorisés. Le duel d'insultes. Ah, en fait, ils changent d'insulte à chaque fois, c'est trop bien. Ta barbe est tellement ridicule que t'as dû la faire avec des poils d'elfe. Chantos. Ta barbe a été coupée dans la toison pubienne d'une femelle d'Antragor à la saison des amours. Oh, c'est presque trop, là. Je concède ma défaite. C'est vraiment bien trouvé. Et encore, j'en ai plein d'autres en stock. Je suis humilié. Je vais de ce pas partir à l'assaut de la cité des Trogilorc, seul et sans armes. Puisse la grosse enclume accueillir mon âme dans le chaos primordial. Comment je lui ai explosé la face à ce gros tas de graisse à poil de rat. Allons boire des pintes de bière pour fêter ça. Je suis le plus fort. Tra-la-la-la-la. Moi j'ai envie de vomir avec toutes ces horreurs. C'est encore mieux. Bon, je crois qu'on en a assez entendu. On était juste là pour passer le temps, c'est fait. En effet, je crois qu'on peut retourner voir le roi. Oh non, et j'ai même pas le droit à une chope après cette belle joute. Non, on n'a pas que ça à foutre. Ah, c'était bien en vrai. Chiantos. Ah mais j'ai... Ah oui, d'accord, c'était une véritable action en fait, les chiantos. Parce que j'en avais dans mon inventaire. Mais qui m'en a donné? Ah, j'en ai trouvé dans le coffre. Ah, mais oui. Mais oui, mais oui, bien joué Mordicus. Okay. Bon allez, hop. Regarde tout ça. Hop, ça dégage. Excellent. Allez, allons voir le roi et avançons dans ce jeu. Il nous reste un peu moins d'une heure. Allons reparler à Roi Lénol. Oula, il se passe. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser des golems gobelins, lumineux torsionnaires. Cela va à l'encontre de toutes nos lois. Le peuple proteste. Silence! Tu veux finir comme Brastok?
Le peuple fera ce qu'on lui dit, comme toujours. Il est trop bête pour comprendre, peuple. Votre illustre fourberie, les aventuriers demandent audience. Ah, parfait. Laissez-nous. Bon, voilà, on est de retour. Comme récompense, ne vous embêtez pas avec l'or, on se contentera de voir votre enclume. Ça ne prendra que quelques instants. Mais bon, si vous avez de l'or quand même, on le prend, on n'est pas trop chargé. Vous parlez de l'objet le plus important et le plus sacré de notre peuple. La grosse enclume est le réceptacle d'incarnation de la divinité qui constitue l'essence même de cette mine. Il va encore t'embobiner. Ça va. Mais quand même, on a refermé vos portes. Se tenir en présence de l'enclume est un honneur qui se mérite. Et ce n'est pas le massacre de quelques troglodytes qui suffira. Mais il y a peut-être un moyen. Quelque chose me dit qu'on va nous proposer quelque chose de pas très honnête. C'est les nains du chaos. Un truc honnête pour eux, c'est un crime aggravé, avec acte de barbarie pour la plupart des autres races. Mais pourquoi vous parlez tout bas? Il peut pas nous entendre, du coup. Voilà. Il y a cet usurpateur que vous avez ramené. Brastok. Ah. C'est mon neveu. Mais il intrigue contre moi. C'est compliqué dans toutes les familles. Moi, j'avais perdu des poules une fois, et les gens m'en voulaient. J'ai d'importantes responsabilités, voyez-vous. Je dois tenir cette cité coûte que coûte. Et l'adversité nous harcèle depuis que nos tunnels ont rejoint ceux des Troglodytes. Brastok, quant à lui, serait prêt à tous nous mettre en danger pour satisfaire sa soif de gloire. Il souhaite me détrôner. Pourtant, je suis le seul à pouvoir tenir les tréfonds d'Uric contre ces monstres. Il faut le faire écarteler. Il est vrai qu'un tel supplice, relativement doux, serait bien adapté à la clémence qu'on peut témoigner à un proche parent. Seulement, il a de nombreux partisans, et je ne peux pas le faire mettre à mort sans risquer une guerre civile. Je veux maintenir l'unité de mon peuple. Je suis un dirigeant débonnaire, voyez-vous. Débonnaire en laine, ça tient chaud à la tête. Je crois que je vois venir la conclusion funeste. On peut aller parler avec lui pour qu'il soit gentil. Comme ça, il fera un bisou à son tonton. Quoi? Mais vous allez la boucler, oui, je négocie. Tu me comprends? Je sais ce que c'est d'avoir des grosses responsabilités et d'être entouré de gens plutôt limités. C'est en rapport à l'époque où tu rempaillais des chaises entourées de poulets? Bon, mais donc, vous voulez qu'on aille s'occuper de Brastok, c'est ça? Qu'il ait un regrettable accident de brosse à dents? Les détails ne m'intéressent pas. Je vous laisse la clé de sa cellule et un laissez-passer. Vous n'avez qu'à dire au geôlier que vous venez de ma part pour l'agonir d'insultes. Je vous fais confiance pour le reste. Très bien, on va y penser. J'ai de sacrin comme mission. Les opposants politiques connaissent toujours un funeste destin. Mon père a l'habitude de les jeter à ses chiens. Le mieux est sans doute d'y aller. Nous aviserons après. Bon, on fait quoi? Allons-y, nous déciderons là-bas. Tiens, il y a de l'écho dans les grottes. Tu dis toujours n'importe quoi. Bon, allons à la prison. Ouais, allons à la prison, ouais. Oh, la politique. J'ai gagné un niveau? Toujours pas. Alors, est-ce qu'il y a encore des portes? On n'a pas besoin de cartes. Alors là, on va sûrement aller ouais, dans la zone où il y a la grille, mais il n'y avait pas d'autres portes que j'ai jamais ouvertes. Non, c'est bon. Tout est ouvert, quasiment. Tout est ouvert. Donc, il n'y a plus que la prison à ouvrir. Bah allons-y, hein. Par contre, je vais peut-être sauvegarder juste avant de rentrer, parce que... Il y a encore un choix. Par contre, je regrette pas mon choix d'avoir pris la hache, hein. La hache légendaire, là... Tout bénef, hein. Y'a rien à dire là-dessus. Alors... J'ai de quête utile. Ah. Arrête là! On ne passe pas! On a les clés des prisons et un laissez-passer, mon brave! D'où est-ce que vous sortez ça? Le roi nous les a donnés pour qu'on vienne insulter Brastok. J'ai des chiantos à écouler! Ah! Très bien! Mettez-lui quelques coups de savate dans le groin de ma part! C'est bon? D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Il y a un... Oh, il y a des leviers! Oula, mais il y a combien de leviers là-dedans, là? Attends, mais je peux les activer? Et ça sert à quoi? Y'a rien d'intéressant, peut-être. C'est juste pour le lol? Oh! Oh merde!
Attends. Attends, prisonnier. Attends, mais il est où? Il est parti où? Merde. Il y a un vrai... il y a un mec qui s'est échappé. Il est peut-être parti à la porte. La lâcheté est une démarche souvent très mûrement réfléchie. Le courage, c'est un truc d'imbécile. Bravo. Bon, attendez, on va je vais retourner voir les gars, là. Donc là, il y a le levier pour... Oh. Là, je le reconnais. Traître, salaud, surfacien. Hé, hey, reste poli, crevure des profondeurs. Le roi nous envoie pour une sinistre besogne vous concernant. L'immonde raclure. Tout ça pour sa gloire et sa fortune. Il n'en a que faire de notre peuple. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que vous êtes prêt à tout sacrifier pour votre ambition. Il nous a fait creuser trop profond par avidité, pour trouver des gemmes et de l'or. C'est sa faute si les troguilors que nous attaquent, on a débouché sur une de leurs tanières. Ah, toujours la même histoire chez les nains. Au lieu de reboucher les mines qui produisent ces pierres précieuses, il est allé louer des golems de fer forgés par les gobelins. Des gobelins! C'est vrai que c'est assez immonde. Je voulais juste qu'on effondre ces puits et qu'on envoie ces golems et les mercenaires qui les manœuvrent, c'est tout! Et je me suis retrouvé banni et exilé. Pas évident, la politique. Mais il n'est pas trop tard. Joignez-vous à moi, nous ferons mordre la poussière à mon oncle. Retournez notre veste. Mais moi, je n'ai pas de veste, comment je vais faire? Quand je serai roi, vous pourrez accéder à la grosse enclume. Mais si vous restez fidèle à Narzathok, il se servira de vous et vous trahira. Oh là là, ils sont trop méchants tous ces nains. Ça serait mieux qu'ils se fassent des bisous. C'est ce qu'on appelle un choix cornélien. Les corneilles, c'est noir, comme les corbeaux. Donc, nous avons le choix entre trahir le roi pour suivre le traître qui en fait n'en serait pas un, ou trahir le traître qui n'en serait pas un pour suivre le roi qui en fait serait un. Est-ce que je choisis Bob Lennon ou Benzaï? On peut aussi tous les tuer, c'est plus simple. Et si on faisait une grande fête pour réconcilier tout le monde? Avec des ballons et des crêpes? Bladoff, fiesta, youpla, boum. Le voleur a raison. Il faut soit rester fidèle au monarque légitime contre le renégat, soit suivre le prince zélote contre le souverain apostat. J'ai pas compris tous les mots. Trahir un traître, est-ce vraiment trahir? Ah punaise, vous êtes vraiment lourd. Oh putain. Ah, c'est chaud. Je sais pas, moi. Est-ce que... c'est vraiment ça. Est-ce que je trahis Bob Lennon ou est-ce que je trahis Benzaï? Je trahis Bob Lennon. Non, mais en vrai... C'est vrai que... Narzathok, à chaque fois, qu'on lui demande quelque chose, il nous dit « Ouais, on verra ça plus tard, j'ai une otage pour vous. J'ai encore des affaires importantes à gérer. » Alors que Brastok, pour l'instant, il a toujours été honnête. Il a toujours été avec nous, en fait. Donc, Brastok. Bon, c'est vrai que le roi semble être un gros sadique vicelard. Du coup, c'est peut-être mieux qu'on vous délivre. Merci. Je suis heureux que vous ayez vu clair à travers son jeu. Attends, mais je peux libérer le coffre aussi? Akalaboum, grande phrase. Comment ça, tu as entendu un bruit? Quoi? Prince, nous voici. Vous êtes libre. Nous avons utilisé une rune de passage secret instantané. Merci. J'ai gagné d'autres partisans pour notre cause. Ah, parfait. Ils ont même amené une elfe pour qu'on puisse la sacrifier afin d'apaiser les dieux. Hé, mais non! Le roi nous avait dit de vous surveiller. Étrons de surface. Vous allez payer pour votre traîtritude. Trahison, vous voulez dire? Misère. Juste au moment où on allait sacrifier l'elfe. Occupez-vous de ces canailles. Nous allons à la salle du trône pour en finir avec le roi. Rejoignez-nous quand vous aurez plongé les bras dans leurs entrailles pour leur arracher le foie. On n'aime pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, pardon. C'est quoi, on n'arrête pas le progrès? Soutenir la revendication de Brastok, le haineux. Ok. Alors, comment on va procéder? Bon, déjà, le nain, il va là. Ah ouais, c'est... Waouh. Ils n'ont pas l'air commode, hein. Toi, je vais te mettre là. Le ranger, je vais te mettre là. L'elfe, je vais te mettre là. La magicienne, je vais te mettre là. Et la prêtresse, je vais te mettre là. Voilà. Ah non, pardon. Excusez-moi.
L'elfe, je vais la mettre là, comme ça elle pourra déjà tirer. La prêtresse, je vais la mettre là. Et la magicienne, je vais la mettre là. Et le voleur. Bah, vous savez quoi, je vais quand même. Paquer tout le monde. Allez, c'est parti. Waouh! Ah, ouais, ils ont quand même des HP. Hein. Vous allez souffrir, sulfacien. Ok, bien. Je vais vous éclater la rate. Je vais vous renvoyer à la surface en pièces détachées. Mur du chaos? C'est que ça? Waouh. Bon. Défense. Serrez les rangs. Ensuite. Le nain, bonus de parade. Toi, buff d'attaque. Baston. Hop. T'approches pas trop près. La prêtresse buff. L'attaque, Euclid. Voilà, comme ça, ça vire tout le monde. Toi, lancer de nain. Alors attends, où est-ce que je vais le balancer? Ah, c'est dommage, je peux pas toucher tout le monde. Ah ouais, je peux pas aller aussi loin. On va le mettre là. Hop. Juste derrière. Ah 105-112. Non mais c'est énorme les dégâts. Les dégâts qu'on colle. Ça n'a aucun sens. Ok, le voleur. Et toi là. Tu vas le finir. C'est moi. Mine de merde, celle-là. Quelle? Phoenix. Phoenix. Piro Pias. Voilà. Et on finit notre tour. Même pas en rêve. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Ok, pour l'instant c'est tranquille. Bon. Vigilance. Ok, deux arbalétriers. Ouïah! Ah! Même pas mal! Bon, en vrai, le barbare il va faire un jump après. Je vais le balancer sur la balétrier. Ah, ah oui d'accord, ils peuvent faire ça aussi. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, c'est très intéressant. Ok, un tir à mort. Voyons voir. Ils sont encore plus vilains que le nôtre. 100. Alors, finis-moi celui-là. Un moins. Salut. Salut. Ah mais le problème c'est que je vais défoncer mon pote. Iggy mon pote. Allez là, sur lui. 82. Alors toi, jump. Let's go. Je vais leur montrer ce que valent les nains d'en haut. Voilà. Alors, t'as perdu beaucoup d'HP, non? Quand même te faire un petit soin. Dalzabeto Navalou. Voilà. T'as mis mon tour. Toi, je vais te mettre une grosse baffe. 89. Voilà. Ok. Se battre dans les mines des nains du chaos. Quand je vais raconter ça chez moi. Alors, la magicienne. Alors, ce qui est bien, c'est que là, il y a un perfect spot. Ah oui, mais. Ah bah si, je peux. Je vais me mettre là. Je peux quand même utiliser mon spell.
mère. Ah, c'est dommage, ils seront quand même pris dans l'explosion. Bon, on va le mettre là. Toga, voilà, Boutouaza, dans ta face. Voilà. Panne 2. Raté. Ok, il se met dans mon dos. Ah, il change de stratégie. D'accord. Pour la mine. Pour la mine. Oh, de toute façon, je vais le défoncer au prochain tour. Je vais mettre un coup de pied. Aïe. Ah non, oh, le coup de pied dans les noisettes. Moins vite. Bon, il y en a deux qui sont proches de la mort. Merde. 44. Ah ouais, c'est des bonnes droites hein, qui nous mettent. Hein. C'est des bonnes beignes. Hein. Ah, rien de tel qu'une bonne bataille en sous-sol. Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent faire ça. Tire lointain. Ah, si je peux le finir, cette flèche. Je vais essayer. J'ai touché, 43. Alors, oui, on va. Je vais me mettre là. Je vais mettre un grand bout de bouclier. Ça va être vraiment bonk. 85. Alors lui, il est toujours. Ouais, il est toujours stun. Vraiment bête. Tiens, je les mâche où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Ok. Je vais venir. Tiens, je vais me diriger vers l'autre. La prêtresse. J'aime pas me battre sous terre. On va fumer lui. Voilà. Moi je me mettrais bien là. Et attention là-bas. À mes livres. Ok, la deuxième a raté. Ça c'est un peu dommage. Bon, le voleur, il va pouvoir agir maintenant. Enfin. Ah non. C'est lequel qui est full HP? Ah oui, c'est lui. Pour la mine. Même pas mal. Personne. Tiens. RT. Pourquoi je ne suis pas resté en haut des escaliers? Ouais, c'est que là, si je me barre, je suis foutu. Je vais finir lui. Je vais me retourner. Hop. Je prendrai un peu moins cher. Et le voleur. Fin de partie. On va tirer sur qui? Sur lui? Non, sur lui. On va mettre une petite sur la côte. Là. Là. Je suis là. Non, je précise. Parfois, on ne me remarque pas. On va essayer de le... Paf, dégage. Ça va pas marcher. Lui. On va essayer de l'effrayer. Voilà. Bon, au moins, il pourra plus s'échapper. Qui est mal en point? Alors le... non, c'est bon, en fait. Donc, piou-piou. 47. L'ogre, tu vas commencer... Oh bah, tu peux aller jusque là-bas, nickel. Ils ont jamais réussi leur coup de bouclier. Tu vas tenter le coup de botte? Bah ouais, t'as pas le choix. Ah non, quand même. Ok, let's go. L'aventure, c'est pourri le lundi. Et les autres jours aussi. Ça l'a pas fini.
ben si. Youp. Non. Retarde. Retarde. Je le prends à revers. Bon, de toute façon, on va sûrement le finir sur ce tour. Hein. Ça poutre. 83. Retarde. Le bon contre le mur. Bien joué. J'ai bien joué. Ah, lui aussi retarde son tour. Je vais me mettre là. Et je vais tenter de le shooter. Je sais pas si je peux. Si je peux. 4 HP. Allez. C'est le moment. Voilà. Ça va, c'était un combat simple. C'est déjà fini? On n'a même pas transpiré. Alors, arbalète prestigieuse de d'ellipse fromagère. Pour transformer rapidement un ennemi en gruyère. Oh, tir de vigilance plus 1. Je savais même pas qu'il y avait ça. Bottes de la vanne ultime. Disposant d'une petite poche pour Chianto, ces bottes de nain sont de belle facture. Cœur de troll, pleine peau, sans entretien. Ok. Dague sacrificielle de Skelos. Ah, du légendaire. De ces dagues émane un étrange mal, un sentiment funeste auquel nul ne semble pouvoir échapper. Mais c'est quand même bien bourrin. Grand baudrier des terres sauvages. Harnachement léger pour barbare en course, barbare de course. D'excellente fature et bien ornée. Il pourra convenir à un gars ambitieux ou à un chef prétentieux. L'un devenant parfois l'autre. Et c'est tout. Ok. On va soigner tout le monde. Ça me rappelle les cours de potions avec cette horrible... Bon, on les a tous eus. Brastok et ses hommes ont filé. Un passage secret instantané. Ça doit être un genre de préparation magique en poudre à réhydrater. Oh, c'est super pratique. Ouais, surtout quand on a ni magicienne ni voleur. Ils sont partis pour la salle du trône. Ils risquent de se faire éclater par les golems. Ils sont trop appelés avec des haches rouillées. Si Brastok perd, on pourra plus accéder à l'enclume. Il faut aller l'aider contre Narzatok. Akala, Rose of Gardoum, Baroum, Rogro. Il dit qu'on pourrait en prendre un pour taper sur l'autre. Pourquoi pas, du moment qu'on arrive à l'enclume. En route pour la salle du trône. Alors, avant ça, on est encore trop lourd. Shit. Je vais me débarrasser de quoi? De bombes, allez, les bombes, je les utilise jamais. Alors, aussi. L'homme. Viva la révolution! On va ouvrir ça pour l'autre coffre. J'ai pas oublié. Je sais pas si on a le droit, ce n'est pas à nous. Tac. Bon. J'ai le dernier bouquin. Et qu'on pourra prendre que plus tard. Détruire. Alors, on va essayer de vendre tout ça. Il y a toujours celui qui s'est barré là, le prisonnier. Pas qui c'était, mais... C'est barré. Peut-être qu'on va le revoir plus tard. Bon, allons à la taverne. On va aller vendre tout ça. Et vendre tout notre matos qui sert à rien. Puis, comme il reste une demi-heure, je pense qu'on aura le temps de faire un dernier combat. Bon. Bon, contre... le roi. Le roi Lennon. C'est vrai que ça, c'est lui, quoi. Ça fait vraiment lui. Avec sa voix et tout. Et un nain. En nain. Putain. Bon, on aura peut-être pas de nouvelles de ce prisonnier. Ah! Sont eux, les surfaciens! Nous allons vous massacrer! Jamais! Plutôt mourir! Eh ben, je ne t'ai jamais vu comme ça! C'est tout, ces nains! Ça me donne envie de dire. Zut! Assez parlé! Liquidons ces morbacs en conserve! À l'assaut! Oh, y'a du monde! Oh, y'a beaucoup de monde! Waouh! Oh, y'a beaucoup de monde! Ok, bon, déjà, l'ogre. Je vais aller là. La magicienne, tu vas reculer d'un cran. Le barbare, tu vas te mettre là. Le ranger. Alors, attendez. On va prendre l'ogre et le mettre là plutôt. On va tous les décaler d'un cran.
Le ranger, je vais te mettre là. La prêtresse, je vais te mettre là. Et on est bien. Ça va être chaud. Oh, il m'a insulté. Le bâtard, il m'a insulté. C'est vrai que c'est des nains, donc... ils peuvent insulter. Petit critique pour commencer. Let's go. 1, 2, 3, 4. Ils sont. Ah, il y en a 11. 11 ennemis. On baisse de bière, d'accord. Bon, le premier tour, c'est vrai que c'est un peu le placement. On se buff les uns les autres. Ça va. C'est toujours le tour de chauffe, on va dire. C'est là que ça me donne envie vraiment de faire des jeux comme Divinity ou. Bah bien sûr, Baldur's Gate 3 quand il sera fini. Mais le problème c'est que c'est vraiment ce genre de jeu là, c'est vraiment pour le faire avec des potes quoi. Tiens, ça a pas la même saveur. Baston. En fait, j'ai envie de tous les attendre. Mais... ah. Ok. Atto, l'attaque, Euclid. Lancer de nain ? Allez, lancer de nain. Petit lancer de nain, là. Ah 621. Ok. Je vais me mettre ici. Voilà. Le voleur. Chut, je ne suis pas là. Le voleur, tu vas passer par là. Te mettre là. Les autres vont sûrement se ramener. Ensuite, toi, tu vas congeler lui. Grilipo, mousse-toi ma magie. Même pour mal. Mode de conserve, ok, il fait la même. Ah. Il fait rien ? Ah, il fait rien. Ah, c'est rare les ennemis qui font rien. Ah, la musique. Tellement bien, c'est bien. L'OST. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup ? Un tir à mort, j'ai... ah oui, je peux. Ouais, on va essayer de se débarrasser d'un archer. Oh, magnifique. Alors, le ranger. Tir déstabilisant. Sur lui. Il a beaucoup d'HP. Le barbare, tu vas commencer à te placer un peu. Voilà. Finish him. 171. Énorme. Ah mais ils peuvent se soigner ? Hein ? Oh. D'accord. Ça cheat. Non, je déconne. C'est marrant. Allez. Même pas mal. Attends, t'as quoi comme buff du coup ? Ah oui. Tout ce qu'il faut. Allez, bonk. 93. Les baffes qu'on met. C'est du caviar. Bon, je suis un peu protégé quand même. Ah non. 11. Ah d'accord, il a tenté de m'enflammer. Baf dans le genou. Garde. Comment je pourrais faire ? Faudrait que j'aille voir le...
Celui qui est là-bas. J'essaie de me faire l'archer. Ok. Oh, s'il se rapproche, ou est-ce qu'il va être encore bugué? Bah, bugué, entre guillemets. Ah bah oui, il bouge pas. Oula. Avec deux flancs, ok. Ça va, 21. C'est vrai qu'ils peuvent attaquer de loin au cac. Je fasse gaffe à ça. Merde, mais ça pique. On va tenter un tourbillol, je pense, prochain tour. Avec le nain. Avec notre nain. Finir lui. Là. Je passe mon tour. Toi, t'es full vie, ça tombe bien. Tiens, mange. Le premier coup est pour moi. Même pas mal. Ah. Et je te finis avec... le barbare. Merde, merde, ça, mauviette. Excellent. On va commencer à se déplacer. Allez, je te donne l'opportunité de faire un jump. Aïe. Voilà. Alors, qui a besoin de soins en fin de compte dans la team? Quelqu'un a-t-il besoin de soins? On va voir. Ouais, c'est... on va commencer à se décaler. On va faire du piou-piou. Hop. Entamer lui. Bon, oh, d'accord. D'accord, c'est donc ça. C'est comme ça que vous voulez la jouer. Ok. Viens là. Et... you. Excellent. Torgnole façon Gurdil. Lui, il bougera toujours pas. Si, ça y est, il bouge. Merde! Elle a encore le feu partout, celle-là. Ok. Hop. Je me mets là. La triple attaque, ça pourrait être intéressant, non? Attaque dans le dos. La mort frappe sans bruit. Mais je vais être défiguré par les cloques. Oh oui. Oh oui, 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 oui. C'est parti. La pluie de feu. Oh, c'est pour les toucher, les trois qui sont là-bas. Oh là là. Oh là là, la triplette. Bene. Même pas mal. En 6. Hop. Même pas mal. Même pour moi. Immunisé. Ok. Dans l'arbre à l'étrier, tu vas prendre un peu cher. Combien de cases? 4 cases. 1, 2, 3. Mettre là. Je vais rusher dessus. Pas pour tout le monde. La prochaine fois, tu réfléchiras avant d'affronter un nain. 176. Il y en a encore, non? Ah non, il y a déjà plus que deux. Ah, mais c'est ridicule. C'est ridicule ce qu'on leur met. Immunisé. C'est ridicule.
Ah. Ah bah, résistance magique. Ah. Je m'avance d'une case. Hop. Pompe. Bon, lui, il va s'en occuper. Hop, moi je vais aller là. Et bonk. 86. Oh, le casse-noisette. Hop, tu la vois ma capuche? Alors je vais tenter la triple attaque. Ah, la deuxième a raté. Je retente une action. Il y a combien d'HP? 60. Voilà. Attendez, faut que je fasse un truc. Faut que je baisse un peu le son. En fait, j'avoue que il y a des fois c'est beaucoup trop fort. Hop. Alors. On va se diriger par là. La magicienne, tu vas aller là. Ah oui, tu pourras pas le toucher. Incanté, éliminé. Le nombre de coups critiques. Oh, je peux peut-être le finir. 60 HP. Allez, on y va. Finis-moi ça. Oh non, échec critique, t'es sérieux? Eh, galère! T'es sérieux avec ton échec critique? Et bah voilà! L'ogre gagne un niveau. Oh là là. Le nain gagne un niveau. Le barbare gagne un niveau. La prêtresse gagne un niveau. L'elfe gagne un niveau. Y'a tout le monde qui gagne des niveaux là. Énorme. J'avais soif. Brassard d'artificier des mines. Des bracelets pour spécialistes des explosifs utilisés par les nains pour ouvrir de nouvelles mines. De minerais ou des brèches dans les tunnels des gobelins. Leur porteur semble avoir été éparpillé. Combinaison de pisteurs chevronnés. Une armure approuvée par la guilde des rangers de Waldorg. Parfaite pour les longs voyages en forêt, la direction des compagnies d'aventuriers et le camping sauvage ne protège pas des moustiques. Grand marteau de Ratador. Ce marteau conçu dans les monts de l'Est serait la quintessence du grobilisme contondant. Et pavois de Goltor l'Intrépide. Oh, le nain qui s'y met bien. Ce bouclier fut utilisé par Goltor l'Intrépide lorsqu'il remplit le défi de l'adresse. Une célèbre épreuve naine consistant à épiler un ours en hibernation sans le réveiller. Évidemment. Bon. Alors. On va s'occuper déjà de tout ça. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Hop. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. On touche pas à mon or, c'est mon précieux. Brassard d'artificier des mines. Constitution ou force? Bon, constitution. Botte de la vanne ultime, donc c'est non. Baudrier des terres sauvages, y'a pas besoin. Les armes. Alors le marteau, je crois que j'ai déjà le marteau légendaire. Le pavois, je vais lui mettre. Hop. Ah quand même, les bons objets aux bonnes personnes. Ah mais j'ai pas donné la dague à mon voleur, mais je me déteste. Merci, c'est... Oh, je suis détestable. Tellement détestable. Bon. Les niveaux, va falloir les faire. Alors. Je m'occuperai bien de ça, moi. Alors, 80, on passe à 150. Ah oui, là on peut faire 3 cibles. Comment bon, je savate les poneys? Plus 5 en force, plus 5 en parade. Plus 5 en force au lieu de 3, ou plus 5 en parade au lieu de 3. Force. Dégagez les Nasbrock, je suis trop puissant. Hop, ça c'est fait. L'archère. Alors, un tir, un mort, voyons voir. 300%, mais un bonus de moins 40 à la précision.
Allez. Je m'améliore. Mieux que rien, hop. C'est toujours pas grand-chose. Super. On se fait un câlin. Courage, on va quand même augmenter l'adresse, comme ça elle sera intouchable. Le barbare. Alors, on va augmenter le jump ou la peur? Ah ouais. Non mais le jump, hein, le jump il est trop bien. Donc 100. Alors étourdi. Un déplacement instantané sur une case qui provoque des dégâts de zone importants. Ah ouais. Ou ça augmente ma protection. 150% c'est quand même énorme. Allez, ouais, let's go. Je suis balèze. Plus 4 en force. On donne tout. Hein. Plus fort. Allez, 30 en force. La prêtresse, évidemment, la zone de soins. Alors, 50, 80. Je suis plus 80. Forte. Euclide veille sur moi. Ça, pour chaque. Non. Allons. Et tu as de l'intelligence. Encore une pierre à mon diadème. Hop, l'ogre. Alors, l'ogre, qu'est-ce qu'on va te mettre? Oh, ça fait des dégâts ou les cibles sont effrayées. Non, ça va faire un peu de dégâts. Et t'as un peu plus de force. Oh, je vais lui mettre full HP. Hein. Hop. Voilà, ça y est. Ah, mais on peut plus bouger, c'est ça? Allez, vite chez le marchand de journaux. Pas du tout. Chez le marchand. Au secours. Au secours. Vite. Vendre. Bon, on va sûrement y avoir un combat, je pense. Alors, vendre. Tiens. Toutes les armes. Allez, hop. Oh, le pognon, quoi. C'est là qu'on va trouver le vendeur. Le marchand qui vend tous les trucs légendaires. On va être en mode what the fuck. Bon. Bah du coup, sauvegarde. Quelle bonne odeur de champignons des mines. Sauvegarder. Et on va aller au moins faire la discussion. Et s'il y a un combat, je pense qu'on le fera la prochaine fois. On va faire comme ça. Vous voici, misérable surfacien. Je vois clair dans votre jeu. Vous vouliez l'enclume, vous l'aurez. On vous brisera les os sur elle. Eh pour ben, commémorer ma victoire, Bob a gagné contre mon règne glorieux. Oh, misère. Il est trop tard. Manifestement, nous avons misé sur le mauvais numéro. Peut-être qu'on peut retourner notre veste une deuxième fois. Ça risque d'être un peu compliqué. Il faut que j'enlève ma robe pour la retourner. Oui. Enfin, non. Enfin, plus tard. Si on bute l'autre nain, on n'aura pas tout perdu. Oui. Oh, il y a deux golems. Waouh. Bon. Est-ce qu'on a des infos sur lui, tiens? Il est où? Mais il s'est barré où? Ah, il est en plein milieu. Ça, c'est con que ce soit lui. Alors. Narzat... Attends, c'est eux? C'est... Ah non, c'est I, normalement. C'est I. Ah voilà. Le légendaire roi des nains du chaos, dont la politique totalitaire a fait ses preuves avec une augmentation de 128% du taux d'insultes et de combats sanglants dans les... je peux me barrer? Je peux sauver. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà les placer, comme ça au moins ils seront prêts pour la prochaine fois. Hop. Hop. Donc, sauvegarder. Et on reprendra ça la prochaine fois. Parce que là, en 10 minutes, j'aurai pas le temps de tirer un second combat. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, en vrai. Ah ouais, non mais attendez. Ouais, ils ont tellement d'HP que... 420 HP. Ouais, ce sera pour la prochaine fois.
des bisous YouTube.